Bonjour, suite du stream d'hier. Salut Slack, salut Biscuit Sauvage, salut Cthulagn. Nous sommes un petit comité aujourd'hui. Nous repartons sur notre partie en mode. Comment ça s'appelle Alors, on est d'avoir un mort. On avait trois personnes, et malheureusement, on a un des deux qui est mort. Un des trois qui est mort. Ouais. Emuelka est mort. On a Greg qui va peut-être nous intégrer notre problème, notre base. Et également, le problème, c'est que Emuelka était l'ami de Blue Skyheart, ce qui fait que, enfin, l'amoureux. Ce qui fait que malheureusement, et lui aussi, il va avoir des petits soucis, à mon avis. On a eu un petit. Ok, des médicaments. On va voir comment la situation va évoluer. Salut Raven, salut Nozomu. Ouais, bah tout à l'heure c'était pas un vrai stream, parce que celui-là je le mets en ligne ensuite. Alors on en est où de Grey hein? Ouh là, une résistance presque. Et en plus, il va. On a 60 jours pour le convaincre. Il va nous rejoindre bientôt. J'espère, si tout va bien. Attends, alors faire une. Après, ce qui est bien, c'est que moins il y a de gens. Moins il y a de survivants, moins il y a besoin de nourriture. Hein. Mais ils ont l'air d'être en forme. Vous voyez, on voit leur forme dans le dos là. Allez, vas-y, Gray. C'est le moment jamais. Bonjour Ryujin, bah tiens, tu vois la suite des aventures. Normalement, moi, mon premier à Thorgrim, je l'ai mis. Mon premier, c'est Zartan. Ah, ça y est! Ah, ok, non, il a juste sa résistance. Oh là là, merde! J'ai un raid. Merde, merde, merde. Alors, attends, il est où le gars? Ils attaquent tout de suite. Bacchus. Ok, alors on va voir comment il va faire Bacchus. Donc, on sonne le branle-bas de combat. On se met là. Attends, bah tiens, Blue Skyheart, on va en profiter. Parce que normalement, je dois avoir. On va lui donner une arme à distance, tu vois. Voilà, on va lui faire équiper un revolver. Blue Skyheart. Ok. Voilà. Et ensuite, ces deux-là, voilà. On les met en. Voilà. Et on les met là, tous les deux. Voilà. Donc lui, il est où notre raider? Ah, il peut pas. C'est il peut. Ah, si, il a fait le tour. J'arrive pas à le voir. Attends, il est en train de. Peut-être qu'il est en train de défoncer le mur hein, aussi. Hein. Non. J'arrive pas à voir où il est. Ah, il est là. Donc on a aussi. Ah oui, d'accord. On a un de nos lapins qui est mort. Donc c'est Zach qui est mort. Zach le Sioux est mort. Et là, il est en train de chasser Dramou. Et Jean-Feuille aussi, j'imagine. Ouais, ça, c'est le problème d'avoir des animaux qui se baladent. Hein. Allez, revenez. Il fait quoi? Il s'en va. Qu'est-ce qu'il va chasser? Des boumalopes? Ah, il va attaquer les voyageurs. Ah, il s'est fait défoncer. Dommage, je l'aurais bien. Bon. Ah, on a aussi un lapin qui devient fou. Ok, très bien. Bah, il se fait aussi défoncer par. Ok, très bien. Donc, du coup, bah, ça s'est résolu sans nous. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a du jade, on va le prendre. Un arc, on peut toujours le prendre. Là, il y a un lapin. Finalement, ça s'est réglé sans nous. Mais tu vois, là, l'avantage de pas trop tirer sur les gens, c'est que tu peux les soigner et les embaucher ensuite. Salut, oui. Bah, je viens juste de lancer le stream là. Et Blue Skyheart, il faisait quoi là? Ah, il ramène le lapin pour l'égorger, très bien. Pas pour l'écarrir. Je sais que Blue Skyheart, il a des petits soucis en ce moment. Attends. Ouais, ça, son problème, c'est que son ami et amant Emuelka est morte. Ça, c'est compliqué. Blue Skyheart, c'est un mec ou une fille? C'est un mec. Allez. Passe rien parce que il faut que je recrute au moins un troisième mec là. Après, on peut vraiment repartir de zéro. Hein. Ah, il fait combien? Il fait moins 11 degrés dehors. Et on a des parkas, ça c'est la bonne nouvelle.
Oh yes. Par contre, Gray, il a chaud ou froid? Il a combien, Gray? Il fait que 9 degrés à l'intérieur, quoi. Ok, cargo pod, fais voir. Jump to location. C'est où les cargo pods? Ah, c'est ça? Wow, des composantes, trop bien. Trop content. Ils atterrissent dans le jardin, trop bien. Cela dit, vu la taille de la base. Ok. Oui, je sais qu'il nous faut des batteries, mais. En dehors, il fait moins 12. C'est l'automne, hein. L'hiver risque d'être vénère. Regardez-moi ça, regardez ces petits dindons qui sèment. Ah, mais attendez, je vais en profiter. On a des animaux. On a un alpaca 1 là. On va lui donner Mortagnon. C'était un gars qui a sebé hier. Ok. Et sinon, j'ai Zartan. Ce sera l'autre animal. Le bébé buffalo. Le bébé muffalo. Zartan. Et merci à Magande, c'est noté pour tu seras le prochain animal promis. Ou peut-être le prochain prisonnier. Bonjour Draxtil, ils sont jolis tes cœurs, ils viennent d'où? Alors qu'est-ce qu'ils font mes deux là? Et Gray, il est où Gray? Ah yes! Yes! On a un nouveau gars dans l'équipe, dans la team. Allez! Donc, eh ben écoute, ce sera toi à Magande. Puisque tu viens de Amagande. Et ton titre, tu seras, je sais pas, le bleu, le nouveau. Alors, Amagande. Donc, Amagande. Tu fais quoi dans la vie? Bio, social. T'es vraiment pote avec Anna, hein. Par contre, ça sent la. C'est un chaman, t'es un ancien chaman. Alors, ça sent là. Attends, je vais donner quand même une petite arme. Voilà. Un petit couteau pour te sauver. Yes, trop bien. On est content. Alors, je vais te mettre à. Je sais que c'est pas trop ton délire. Je vais te faire faire de la recherche. On a besoin de recherche. Magand, il a envie de nettoyer, hein. Mais il va où là, attends? Qu'est-ce qu'il fait à Magand? C'est comme ça que j'ai perdu Skyheart. Il va nettoyer la dirt là. Il faut vraiment qu'il sorte pas de la. En fait, je crois que je vais faire les tombes à l'intérieur parce que je. Attends, c'est quoi ces gars-là? La nation de Brana. Bah tiens, à Magand, tu vas négo avec eux. Attends, Amagande. Ok, alors Amagande, qu'est-ce que tu vends? Je pourrais vendre une. Ils vendent rien, quoi. Ils vendent même. Pff, ils vendent de la médecine, super. Ils vendent que de la merde. J'en veux pas. Amagande, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le ciel se coucher. Bon, le problème, c'est que ça, c'est pas ma base, tu vois. Et la dernière fois, il y avait genre. Je crois qu'on va faire un. Comment ça s'appelle? Je crois qu'on va faire les. On va enterrer les gens ici en fait. Ce sera beaucoup plus efficace. Misk. Tu vois, on va faire un petit cimetière là. Tranquille. Je peux pas le faire là. Voilà. Parce que sinon, les gars, ils vont dehors. Ils considèrent que ça, c'est la base. Et j'ai pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, on a le mildiou. Ah, c'est la mort. C'est la mort. Toute façon, toutes les plantes meurent. Mais c'est chiant, quoi. T'as fini tous les gores, Carillon? Bravo, t'as fait 600 heures. C'est beaucoup, hein. T'as même fait les 79 et tout? Salut Daisuko, ça va? J'étais tout à l'heure dans le stream comptage, je t'ai payé. Alors, que font les gens aujourd'hui? Ryujin, elle joue, elle s'amuse. Là, elle est en train de faire une grande sculpture, très bien. Ah, mais attends, j'ai peut-être une sculpture en trop là. Alors, du coup, on va mettre. Attends. Attends, elles sont où les grosses sculptures? Elles doivent être là-dedans là.
Attends, elle est où? J'aurais une grosse structure qui traîne puisque je pouvais la vendre. Ah, il y a de la parka, très bien. Ah, elles sont là, les structures, très bien. Donc on va l'installer. On va installer une là pour le plaisir des prisonniers. Et on va installer une là. Une là pour la chambre à coucher à venir des gens. Et donc on va voir cette sculpture, c'est quoi? C'est Emmanuel K qui est en train de capturer Grey Goose. Très bien. Pas mal. Emmanuel K est mort depuis. Et lui, c'est un husky qui est en train d'être... Ouais, d'accord. D'être attaqué, mais ça c'est un... Voilà, attends. Ok, ça on va... Encore le mildiou là. Ouais, le mildiou. Alors, de toute façon, toutes nos cultures, elles vont tomber là. Après, c'est bon, on a le time, tu vois, mais... Alors, Blue Skyheart est en train de péter un câble. Et oui, ton ami est mort. Peut-être tu vas... Ah non, tu peux pas tomber amoureux de Amalgrand, malheureusement. Attends, tu sais quoi? Je vais te... Voilà, je te... Comme ça, ils dorment tous dans le dortoir. Ça va créer de l'intimité. Salut araignée! Salut Carillon! Donc, je suis en train de faire un nouveau projet. J'avais fait un cimetière en dehors de la base. Mais le problème, c'est que quand il y a des gens qui viennent. Tu vois, il y a une petite tache de sang là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie. Pourquoi il nettoie ça? Ça m'énerve, il a rien à faire là. Attends, tu sais quoi, il y a trop de gens qui nettoient. On va. Handle, basic, doctor. Clean, on va mettre juste. On va pas mettre Eugene au clean. On va être juste. Voilà. Il y aura que. Amagand, il veut cleaner, bah tu cleaneras. Tiens, voilà, ça t'apprendra. Voilà. Il me fait chier à être hyper loin tout le temps. Amagand est en train de péter un câble aussi, c'est quoi son problème? Il est très mal nourri, mais nourris-toi mon vieux. On a du riz, on a du... Bah faites des bons plats là, faites des petits plats là. Faites des petits plats, attends, on va faire trois petits plats. Non, 3 fois 3, on va faire 9 plats. Non, non, pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Hop. Vas-y. Ah yes, enfin! Il commence à faire des recherches. Ah. Non, non, j'ai pas envie de réduire ma zone de base. Je l'aime. Voilà. 10 tonnes. J'aime ma base. Non, parce qu'en fait, à un moment, je vais avoir... Tiens, j'ai déjà deux petits Mufalo là. Ils sont... Donc attends. Lui, c'est... Ça fait 2 heures qu'il est né. Zartan, donc lui c'est quoi? C'est un mail. Et là c'est un mail, j'ai un peu trop de mail. Bon, par contre, lui là il vient de naître. Et donc je vais pouvoir mettre Cthulhnag qui avait sub la dernière fois. Cthulhnag. Ok, il me restera plus que biscuits sauvages. Et on est bon. Coloniste, oulala, il se passe quoi? Blue... Ah non, putain, Blue Skyheart, qu'est-ce que t'as fait? Mon Dieu! Blue Skyheart est allé dans le territoire, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Bah ouais, mais il va mourir. Bon bah allez, c'est parti, hein. Bah, on n'a pas le choix, il va falloir aller le sauver, quoi. Putain, l'enfer. Sa femme meurt, il va dans un... Ok. Ah putain, c'est vrai que Amagand, il faut qu'il aille au corps à corps, quoi. L'enfer. Reviens là, reviens là. Reviens là. Eugene, tu vas l'aider? Ok. Amagand, je sais pas. Tout le monde se casse. Allez, tout le monde se casse. Ah, c'est vraiment. Il faut sauver le soldat Blue Skyheart, hein. J'ai perdu un revolver dans la foulée.
C'est la haine. C'est des alpacas, ça? J'ai besoin d'une femelle alpaca, on fera ça. C'est bon, tu peux rentrer chez toi là. Blue Skyheart est entre la vie et la mort. Ah mon Dieu, mon Dieu. Tiens, Rujin, c'est bon. Tu peux te. Alors, on va faire le point de Blue Skyheart. Je pense que je vais les empêcher de. Ah non! Putain, Blue Skyheart est mort. Oh! Ok, pas grave. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est compliqué quand même. Et en plus, là, j'ai le chien. J'ai le chien qui est en bad total. Ok. Ok. J'ai vraiment envie de. Genre de faire une porte et les empêcher de sortir, quoi. C'est ça qu'on va faire. Je vais faire une porte là. Voilà. Ah là, je prends du retard, c'est sûr, hein, ça va être compliqué là. Ryujin, toute la colonie tient sur Ryujin. Non mais en vrai, je me demande ce qu'il est allé foutre là-bas, en vrai. C'est incompréhensible. Il va falloir enterrer Skyheart, hein. Blue Skyheart. Donc il nous reste quand même un homme et une femme. C'est nos nouveaux Adam et Ève. Personne pour enterrer. Là, elle fait à manger. On va quand même le. C'est un herpétologiste. Putain, je suis hyper triste là. Oh non, non, va pas. Il l'enterre au bout du monde. Non. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il va là? Il fait quoi? Ah oui, il tame l'alpaca. Ben oui, parce que notre super tamer, c'était c'est quoi ça? Un mégatherium. Il y a des bébés écureuils aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tame. Non, je t'ai payé il y a longtemps, mais par contre, je t'ai mis en fronta. Ouais, c'est. Des fois, il y a des parties, elles se passent mal. Là, c'est une partie qui se passe pas très bien. En fait, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de gens là. Parce que moins il y a de gens, plus t'es sensible à n'importe quelle attaque. Et je suis un peu inquiet parce que Amagand et Rujin, ils se parlent pas trop. Ils sont ensemble, mais tu vois, ils dorment pas à côté. Bon, après, c'est normal. Je crois qu'il va falloir s'occuper de détruire ces. Ça aussi, je vais m'en occuper. On va déconstruire ça. En fait, on va faire en sorte que cet endroit ne soit plus notre base. Il y a eu plusieurs morts, malheureusement. Y a eu deux morts. Parce que j'ai recruté un gars. Et là, en plus, j'ai eu le mildiou. Donc, mais ça va, on est en train de replanter là. C'est l'hiver, il fait moins 9 dehors. Mais à l'intérieur, il fait 12 degrés. Ça va, nous ne plaignons pas. Allez. On a quand même un beau petit ranch, regardez-moi ça. Attends, mais j'ai pas besoin de tame. En fait, je les ai. Non, non, c'est bon, on s'en fout. Tame pas là. Attends, cancel et l'autre à tamer, il est celui-là, il est là. Je vais avoir mes petits alpacas tranquille. Ouh, il y en a pas mal des muffalo. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Lui, il va me construire une porte. En fait, ce qui va se passer, c'est quand j'aurai détruit toutes les tombes. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Putain de merde! Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait sans déconner? Attends, mais c'est pas possible. Mais non, mais où est-ce qu'il va? Il va chercher le revolver. Non, 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 oulala là là. Voilà, c'est bon. Allez, c'est résolu.
On oublie le revolver. On ira chercher ce revolver un jour, mais pas aujourd'hui. Genre, et si on allait. C'est vrai que ce revolver, à un moment. Alors, il faut faire quoi? Ah, bah, super. Ils sont où là? Ah, il fait des recherches! Yes! Ça, on aime. La recherche avance. Ah, ma grande, il fait quoi? Il joue au. Ah, Killer et Vanisher, c'est parti. Alors je note, hein. Killer et Vanisher. Ah, vous allez pas regretter d'avoir sauvé. Hein. Oh là là. Alors, est-ce que vous voulez être écureuil 1, écureuil 2? Ou est-ce que vous voulez être un animal. Est-ce que vous voulez être un animal plus noble? Il a le cœur brisé, le pauvre Drug. Sinon, vous êtes le prochain Buffalo, hein. Il n'y a plus de toutou, donc il n'y en a pas encore. Oh merde, il se passe un truc. Ah non, c'est juste mes plantations qui meurent. Parce que tout va bien sur la planète inconnue. Bon, allez, tant pis pour vous, hein, Vanisher. Vanisher, tu seras un écureuil, d'accord? Crois-moi, il se passe des choses, ces écureuils. Vanisher, très bien, écureuil. Et l'autre, c'est Killiard. D'ailleurs, tu te balades dehors alors qu'il y a des loups, mais bon. Allez, c'est parti. Petite musique douce. Regardez-moi cet automne qui est en train de se mettre en place, bientôt la neige. Alors attends, ils n'ont pas encore fait la porte? Ok, c'est pas grave. Il pleut. Il pleut, non, il neige. Il fait moins 11, il neige. Voilà. Et l'intérieur, il fait 20 degrés. Alors, on est bien là. Dans ce bonheur. Donc là, vous voyez, là, ça marqué en bas à droite, 21 degrés. Mais il neige parce que, enfin, comment dire, il fait chaud parce qu'il y a du vent. Ryujin aussi là, elle travaille bien. On va pouvoir construire notre première batterie. Ça va être. Oh là là, c'est bien. Vous avez vu ce vent là? On est bien. Qu'est-ce qu'il. Ah, il est en train de tondre. Il tond Nozomu à ma gande. Très bien. Aotsu Miyatsu, très bien. C'est noté. Aotsu Miyatsu. J'ai pas encore d'animaux, mais ça ne saurait tarder. Coloniste. Alors, Ryujin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que t'as, Ryujin? Elle s'est empoisonnée en mangeant quoi? Putain, elle vient de s'évanouir. À ma gande, tu fais quoi? T'es en train de faire quoi? Amagand. Amagand, il recherche. Non, non, tu rescues Ojin. Allez, vas-y. C'est parti. Bon, bah, Ryujin. Déjà que. Enfin, tu vois, on était deux. Faudrait pas qu'on soit un, là. Bah, t'es tondu, mais. Putain, Amagand, il recherche, là, dans la nuit. Il dit, on a besoin de ses batteries. Il est tout seul. Alors, rappelons que. Ah, putain, Amagand. Rappelons que Amagand. C'est un ex-prisonnier qu'on a converti à notre cause. Et maintenant, c'est le pilier de la colonie. Yo, Eugene, on en est où là? Ça va mieux ou pas? C'est bon, c'est en train de. Elle souffre beaucoup, mais ça devrait aller. Pour l'instant, à Magand, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de planter. Je fais moins 5. Putain, là. Ah putain, en plus, Amagand, c'est un chaman et il ne croit pas au. En fait, il ne croit pas aux médicaments. Donc il soignera jamais Ryujin, l'enfer. Putain, elle est en train de vomir là. Il va falloir. C'est vraiment. Ah, quel enfer! Ah, j'ai plus de batterie là. La température va descendre. Ils ont des parkas ou pas? Ouais. Il fait que 5 degrés à l'intérieur. 3 degrés. Oh non, c'est en train de descendre. Quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un squeeze. Il y a un. Oh, trop bien. Par contre, au niveau des bonnes nouvelles, on a un écureuil qui s'est naturellement mis de notre côté. Et donc, on va lui donner le nom de Aotsu Miyatsu.
Ouais, il y a une... Non, 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 j'ai pas. Non, mais on va survivre, vous êtes fous, quoi. On est en... Qui est en train de mourir? Eugene. Eugene en train de mourir. Ah non, c'est bon, elle s'est levée pour aller manger. Putain, Eugene, t'es malade, mais tu fais de la recherche. Ça, j'apprécie. Que fait Amagand? Rien, j'ai l'impression. Il fait un bonhomme de neige, sérieusement. Il est où? Il est où? Quel scandale. Il est où ton bonhomme de neige? J'arrive pas à le voir. Là, il a fait un bonhomme de neige. Attends, Amagand, ah, il est parti faire des recherches. Attends, il faut que je vois s'il y a un travail qu'ils peuvent pas faire tous les deux. Ah, ils peuvent pas construire. C'est pour ça. Donc, Rujin, tu vas construire. Amagand, tu vas Smith. Toi, tu vas Craft. Ok, super. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un Wanderer arrive. Donc, un Wanderer, il s'appelle Zé. Et il veut rejoindre la colonie. Il veut contribuer, mais il ne partira pas volontairement. Il a aucun endroit où être. Donc, on va l'accepter, bien entendu, mon gars. Zé. Alors, Zé, tu t'appelles comment? Donc, quelqu'un, c'est le moment où jamais de se baie. Hein, si vous voulez devenir un colon, le premier se baie, premier servi. Sinon, alors, on va voir qui c'est. Donc, lui, il vient de joindre Liberté aux jeux d'autogestion. C'est un ancien médical assistant. Merci mon Dieu. Il a une fascination pour la drogue. Il est entier, caractère entier comme on dit. Il est jaloux et bisexuel. Il ne peut pas combattre le feu. Ah, c'est un assistant médical qui refuse de soigner. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un ancien recruteur. D'accord. Bon. En fait, c'est un mec. Donc tu t'appelleras Il Sweep. Eh oui, c'est bien Il Sweep, hein. Donc ce sera Il Sweep. Il Sweep et on va t'appeler, je veux dire, comment dire. Donc l'autre c'était le nouveau. Je vais l'appeler l'espoir, tu vois, parce que c'est le gars qui nous join quand même. Alors attends. Ok. Il faut que je vois un peu au niveau du work ce que je peux te donner. Ok. Bon bah on va pas te. T'es nul en handle, on va pas te le donner, hein. Voilà. Bon, on verra bien. Tu sais quoi? Fais un peu de tout, en vrai. Fais un peu de tout. Par contre, je vais lui donner un. Il a un. Attends, il n'y a pas une arme qui traîne? Voilà, on va lui donner un fusil. Elle. Merde! Ouais, c'est quoi? Oui, ok, ça c'est normal. Ok, par contre. Donc, en fait, c'est pas un docteur, c'est un recruteur, un DRH. Rugine, elle a pas d'arme. On va lui donner un petit couteau. Pas terrible, mais bon. D'ailleurs, pour la blague, c'est l'ancien couteau de Amagande. Bon, on est à nouveau à 3, c'est pas mal. Ça se passe plutôt bien. Donc là, on a Ryujin qui va transférer les tombes de ces gens-là, ici. Comme ça, nos colons ne vont plus arrêter de sortir pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, ils sortiront là, tu vois. Ah, Jazo Koti est enceinte, si ça te fait plaisir. C'est un médecin drogué. Ouais, il est DRH. En fait, c'est un mec il était infirmier, tu vois. Et puis un jour, il a dit, putain, mais c'est de la merde, je vais devenir DRH. Et depuis, tu es devenu... Tu es devenu, comment dire, tu ne crois plus à l'humain, tu vois. Regarde, c'est là qu'il a fait un petit bonhomme de neige. Trop bien. En fait, il a fait un petit bonhomme de neige à côté des tombes. Donc du coup... Là, on est en train de... Voilà. On est en train de réenterrer les gens. C'est terminé, on viendra plus jamais à l'extérieur. Voilà. On vit en autonomie dans notre base. Donc ce qui est bien, c'est que la bouffe, si toutefois on tue quelques... Alors on va faire maintenant quelque chose de sympa. Je vous montre. C'est... On va configurer l'auto-abattage des animaux. Pourquoi? Parce qu'en gros, à un moment, si tu as 10 000 buffalo, ça sert à rien. Donc l'idée... Ça va être, bon, les écureuils, on les garde en cas de problème, mais tu vois, les alpacas, j'en ai 5. J'ai 2 mâles. Donc moi, j'ai besoin que d'un seul mâle reproducteur. Donc je vais le mettre à 1. Attends, merde. Et les femelles, par contre, les femelles, on les laisse. Tu vois, on laisse en femelle adulte un max de, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut en mettre, on peut en garder 3, tu vois. Voilà. Les Muffalo. Ah, j'ai 4 Muffalo. Ouais. Donc, je garde un mâle adulte. Et femelle adulte. Ah, j'en ai plus de femelle adulte.
Elle est morte? Pareil, 3. Des poules, des dindes. J'ai un mâle adulte, une femelle adulte, donc on va garder 3 femelles adultes max. Et là, j'ai qu'un seul, bon, voilà. Pas grand-chose. Par contre, le fait, je comprends pas les Muffalo. J'ai une Muffalo qui est morte? Ça, c'est une female. Pourquoi elle n'était pas notée? La female Muffalo. Muffalo. Female adulte. Ah, si, je... Non, Muffalo. Elle est pas comptée, bizarrement. Bizarre. Bizarre, bizarre. Elle est pas tame? Non. Petit bug. C'est pas grave. Il fait moins 18 dehors. Il fait moins 5 à l'intérieur. Ok, mais c'est en train de se réchauffer tout doucement. Tout le monde a sa parka, ça va? Parfait. On n'a pas beaucoup de nourriture, mais on a des œufs. Je sais pas si vous voyez. Et ce qui est bien, les œufs, c'est qu'ils sont congelés là. Elle est dans Pregnant. C'est total, je joue totalement en Fania. Ouais, mais mur en bois, pour l'instant c'est du bois, mais bientôt, là on va creuser, on va se faire une carrière de marbre, mon gars. Et je peux te dire que qu'on va tout faire du marbre partout. De toute façon, il y a beaucoup aussi de ça là. Mais j'attends d'avoir les batteries, ça arrive là, les batteries. Eugene est en train de faire sa magie. En fait, ce qui est trop bien avec l'auto-abattage, c'est que tu vois, tu gardes 3 femelles, un mâle. Et en vrai, dès qu'il y a 2 mâles, il tue le plus vieux. Et en gros, ça te fait de la bouffe à volonté, quoi. Bah, les murs en marbre, ce qui va être cool, c'est que personne va venir nous les exploser, quoi. Yes! On a fait les batteries. Donc là, moi, une fois qu'on a fait les batteries, en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Donc on va faire de la bière. Ça peut être cool. Alors, les batteries, on va construire une. Power. Batterie. Il faut combien? Deux composantes. Donc on va en faire une. 2, allez, 3, 4. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant je vais créer un stone cutter pour commencer à faire des murs un peu. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir des murs vénères pour le moment. Ma prio c'est plutôt des sols plus jolis. Donc là, par exemple, c'est pas très joli ça. Donc j'ai un peu envie de faire des sols. Ouais, on va faire en production. Attends, je l'ai fait le stone cutter, je crois. Non, ça, ouais, donc là, on va make des stone blocks à volonté. Do forever. Qu'est-ce qu'on peut construire autre chose en production? On est bien. Là, maintenant, on a deux places dans notre prison. J'attends qu'une chose, c'est qu'on nous attaque. À un moment, on peut aussi construire une pompe à eau. Et on va pouvoir récupérer cette zone. Il n'y a plus d'eau, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Ouais. Donc, ouais, les batteries, elles se remplissent là. Ce qui fait que quand il n'y a pas de vent, bah, ça. La bière, le pied de la civilisation. Ouais. Ouais, je sais, je sais, je sais que les murs en bois ça pose problème, et même c'est pas simplement le feu, hein, c'est. Alors, qui attaque? Qui attaque? Qui attaque? Des rats! Alors, jump to location. Ok, les rats attaquent. Oui, ils vont faire. Ils se font pas défoncer. Oh, c'est pas mal ça, on prend. Mais par contre, attends. Ah non, non, tu sais quoi, on prend pas parce qu'ils sont capables de prendre un raccourci par là, tu vois, parce que c'est des génies. On va cancel. On va quand même. Appeler. Mettons-nous derrière notre triple barricade. Des rats sont en train de nous attaquer. Alors, ils vont défoncer la porte? Non, ils font quoi? Ah, ils ont vu la porte ouverte. Ils rentrent. Très bien. Ça, c'est notre chien. Merci le chien qui a ouvert la porte. Allez, vous allez y arriver, les gars. C'est juste des rats. C'est juste un rat. Ok, plus que un. Là, le rat, il essaie de défoncer la porte. Pas de problème. Pas de problème. Là, tu vois, il voit la porte ouverte, le rat enragé. Voilà, le chien il rentre, il ouvre la porte. Super. Non, toujours pas. C'est un lièvre à moi ça ou pas? Ah, c'est Dramou.
Voilà, c'est bien, il rentre. Vas-y, rentre. Putain, cette bataille épique. Alors, tu sais quoi? On me casse les couilles, on va les laisser ouvertes là. Voilà. Comme ça, le rat va rentrer. Attends. Ok, on va y aller nous-mêmes. Voilà, c'est bon, il est rentré. Ouf. Du coup, je vais la dé. Eh ben, ça a été complexe, hein. Ah, attends, j'ai de l'électricité, on a des batteries. On va commencer à faire notre projet incroyable de congélateur. Donc en gros, l'idée c'est on met un congélateur, j'ai pas assez d'énergie. Ok, on va mettre quelques batteries supplémentaires. Production. Voilà. Vous pouvez dormir du sommeil du juste, hein. Vous avez mené une grande bataille aujourd'hui. Alors, Zapax. Zapac, je t'appellerai Zapac, hein. On va voir. Donc, Zapac, est-ce que j'ai un animal à te donner Zapac, tu seras le nouveau alpaca. Notre bébé alpaca. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de vie pour l'instant. Tu n'as que 3 jours. S'appelle donc Zapac. Salut Vouivre. C'est pas Vanilla pour assigner les zones aux colons. Je sais pas ce que tu veux dire. Je suis en Vanilla pur. J'ai acheté le jeu, j'ai rien rajouté. Alors, ensuite. C'est la boue. Ok. Mon objectif, une fois que j'aurai fait ces trois batteries, c'est de construire un congélo là pour l'été. Comme ça, on va quand même accumuler les choses. Et après, une fois qu'on a, ça sera notre zone, notre chambre froide quoi. Je vais aussi peut-être couper du bois un peu là. Attends. Quoi? Ah oui, une zone. Peut-être c'est ça alors, attends, zone. Dogpile, clear snow. Non. Alors attends. Amagande, ça il coupe du bois. Bon, personne ne fait les. Personne n'a envie de faire les. Ah, je manque peut-être d'acier en fait. Je manque d'acier. Ça c'est quoi? C'est de l'acier ou pas? Non, c'est de la sandstone. Excusez-moi. On va trouver de l'acier dans un endroit où il n'y a pas des insectes maudits. Là c'est quoi? C'est de l'acier. Hein. Ouais, on va y aller. Allez, attends. Ça va agrandir notre chambre à coucher, cela dit. Hein. Non, ça j'en ai. Attends. Du coup, on va faire ça aussi. Voilà. Non, pas ça, il n'y a pas besoin. Attends, annuler là. Ouais, c'est vrai. Pour les explosions. Mais en fait, là. Comment dire? En fait, si tu mets des batteries à l'abri de l'eau, à l'abri de la pluie, tu as beaucoup moins d'explosions. Tu as juste ce qui s'appelle le zit, là, les surtensions. Mais bon. Alors, il fait moins 4 dehors et à l'intérieur, il fait 20 degrés parce que maintenant, on a stabilisé notre production d'électricité, ce qui est cool. Il sweep.
Donc oui, il nous manquait de l'acier, c'est pour ça que là, ils ont commencé à reconstruire les. Allez, on va miner. Attends, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il nettoie la poussière à l'extérieur, quoi. Il va là, genre dans les bois, nettoyer la poussière. Mais pourquoi? Allez, vas-y, Ryujin. Fais-moi plaisir. Sinon, attends, il sweep là, il s'ennuie. Je vais faire un truc. On va faire un truc avec il sweep. Il sweep, je vais lui dire, tu vas arrêter de nettoyer. Ok. Le mec qui nettoie, c'est Amagand. Par contre, tu vas craft. C'est-à-dire, tu vas genre tailler les pierres, tout ça. Tu vas mine aussi. Tu vas mine. Allez, il sweep là, je lui dis arrête. Ah oui, il s'est mis à jouer là. Bah moi je sais pas vous, mais sur ce stream on met les DRH à la mine, ok? Fifréo, tu le relances? Les écureuils résistent au froid? Ouais, on dirait, ils meurent pas de froid en tout cas. Enfin, quand t'as une mort, ils te le disent. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Tattered Apparel, Amagand. Donc attends, Starvation, c'est quoi? Ils ont faim. On a plus de nourriture? On a plus de nourriture. On a plus de nourriture, d'accord. On a plus de nourriture, on a plus. Oh là 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 là, il faut agir. Hein. Il faut agir, donc bah, tu sais quoi, on va le tuer lui là. Il est méchant ou pas? J'en ai jamais tué. Attends. Gna gna gna. Ouais, il a l'air d'être. Il peut s'enflammer. Il y a beaucoup de viande. Ça fait de la peine quand même, c'est un méga. Attends, tu sais quoi? J'ai pas un alpaca en trop là. Attends, c'est quoi mon. Animals, j'ai quoi? On va tuer des. Tu sais quoi, on va manger de l'écureuil. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais. Là, attends. Dwim, on va te manger. Jean-Feuille, je vais garder un. Ah non, bah Vanisher. Bah Killiar, je vais te tuer. Hein. Les Otsumiatsu, on a faim. On n'a pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, tu vois. Et on va peut-être tuer. Tu le lag. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, on a faim, quoi. On a faim. Et oh, il n'y a personne qui fait du slaughtering, là? Attends, au niveau du travail, vous mourrez de faim, les gars. Ça y est, c'est bon. Ah, yeah. C'est bon. Ok. Ok, on a fait nos trois batteries. Ça, c'est chouette aussi. Donc. Ah, yes. Transport pod crash. Oh là là, attends, attends. Jump to location. Oui, on a une survivante. Trop bien. Tu vas la sauver. C'est une ancienne shérif. Incroyable. C'est une ancienne scout. Elle est devenue shérif. Et elle a un esprit. Elle ne peut pas faire d'art, mais bon, très bien. Très, excellent. Attendez, on va faire un truc aussi. C'est qu'on va commencer à faire. Ouais, attends. Déjà, on va essayer de gérer la crise de la bouffe et de Elisa là. On va aussi récupérer des plantes médicinales parce que je crois qu'on n'est plus très bon. Voilà. Qui c'est qui va péter un câble? Il sweep. C'est quoi son problème? Bah, il mine la nuit. Hein. Je peux rien. Hein. Il y a aussi de l'animal starvation. D'accord. On va faire un truc fou. Ok. Ne le faites pas ça chez vous. Quand les animaux sont en train de mourir de faim, je fais un petit trou dans la clôture. Voilà, comme ça ils s'en vont, ils vont manger dehors, ils reviennent. Alors, on a vouivré notre dindon qui est mort. D'accord. Il sweep est en train de péter un câble. Il sweep, c'est quoi ton problème? Vas-y. Needs. Alors, il est mal nourri, ouais, t'as faim, t'inquiète, mais là, il y a à manger, c'est bon. On reste cool. On va tuer, il y a vouivre, il y a. Allez, vous faire à manger, les gars. Je pensais qu'on passerait bien l'hiver, mais tu vois, le mildiou, il y a plein de choses. Non, non, arrêtez de miner là. Il faut aller manger là. Ah, ils ont déjà tout mangé? C'est elle ou pas? Elle est morte? Elle est morte. À Magand là. Ben, il n'aime pas la.
Non, non, mais l'enterre pas, t'es fou, quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi il va l'enterrer? Je comprends pas. Bon. Il va enterrer la dinde alors qu'on meurt de faim! Expliquez-moi! Non, mais là, il faut arrêter de miner, les gars. C'est pas la prio, le minage. C'est la prio, c'est ça, c'est. On va manger des rats, on va manger des écureuils, hein. C'est comme ça que ça va se passer, hein. Là, je sais pas qui t'es, fais Anorim, mais on va te manger, hein. En plus, il y a ce gros tas de viande là, tu vois. On pense. Ah, yes! Il y a un rat qui est fou. Il est où le rat fou? Il viendra pas. Il rentrera jamais. Je fais une connerie là. Alors, Elisa s'est réveillée. Que fait Eugene? Elle visite les tombes. Hop, 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 hop. Non, attends, hop, on est bien. Le rat fou est encore dehors. Hein. Ah yes, il va chercher la dinde. Ouf. Ok. Ok. Très bien. On est en train de se faire un petit peu à manger parce qu'on a un peu quelques nourritures là dans notre stock. On n'a absolument rien. D'accord. Cet hiver est long, hein. Je veux pas dire, mais on va. Tous nos animaux vont y passer, c'est affreux. Hein. Ah oui, j'ai libéré mes animaux là. Ok. Donc là, pour qu'ils mangent un peu. Du coup, je vais reconstruire là. En fait, je n'ai fait rien d'autre que comment ça s'appelle? Du fermage. Putain, les hivers sont longs. Au moins, on n'a pas froid. C'est quoi ça? L'hiver est infernal. Oui, j'ai enfermé lui là. Il est pas relativement dangereux. J'aimerais bien le tuer, mais en fait, ce que je préfère, c'est construire des pièges tout autour de lui. En vrai, c'est une vraie bonne idée, tu vois. Mais attends, mais je comprends pas. Ok. Elisa là. Ah, c'est une invitée. Pour l'instant, elle a pas décidé de rester avec nous. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il ramène des plantes. Je comprends pas pourquoi on a si peu à manger là. Attends, il reste vraiment rien à manger. J'ai rien du tout à manger. Rien à manger. Ok, il faut qu'on se pose parce que j'ai rien à manger. Il n'y a pas des petites baies, des champignons. Ces enfoirés d'animaux, ils ont tout mangé. Bon bah, tu sais quoi? Ah yes! Trop bien. J'ai déjà. Ah là, il y a des trucs, mais on va pas les prendre. Voilà, on va faire ça. On va ramasser des petites baies déjà. Voilà. Ça va nous faire le repas. Voilà, très bien. Allez, on mange. Ouais, je sais que tu es en train de. À Magande, t'es en train de manger, de mourir de faim. Magande, va chercher des baies. Il est où, à Magande? Il revient avec les baies, il va les manger. Vas-y, mange. Voilà. Ok. Faut que je trouve à manger, faut que je trouve à manger. Putain, je pensais que j'avais. Alors, je pourrais tuer ça là. Je pourrais le tuer, mais j'ai peur que ça me fasse hyper mal, quoi. J'ai peur qu'il me défonce. Attends, il faut que je revoie. J'ai jamais tué ce type de choses. Attends, en vrai, c'est méchant ou pas? Pack Animal, Mega Sloth. Mêlée DPS, je sais pas ce que ça veut dire. S'il est méchant ou pas? Personne veut m'aider. Attends. It will shred anyone. D'accord, ok. Bon, on va essayer d'éviter. Ouais, il a l'air gros quand même. Si je pouvais les traire, les buffalo, tu vois.
faut absolument qu'on se trouve à manger. Mais ah, là encore, il y a des petites baies. Hein. Starvation, j'aime pas ce mot, j'aime pas le mot starvation, il est négatif. C'est quoi ça? Ah, c'est une dinde. C'est une dinde femelle. Super, il nous faut des œufs. Très bien. On va la tame. On va retame. En fait, on va faire ça. Ah, mais non, mais on peut tame que si on a de la nourriture. Ok, pas grave. Pas grave, pas grave. Je cherche une idée. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? On pourrait tuer quelqu'un? Ah, yes. Ça, on peut le récupérer. J'ai rien dit, hein. J'ai dit on pourrait tuer quelqu'un, mais. Salut Signia, merci. Ouais, mais il y a Sloth aussi. Alors attends, il n'y a toujours rien à manger dans mes réserves, hein, c'est ça? Putain, c'est la déprime. J'ai passé par des moments. Ouh, un lapin! Dramou! Bah, désolé, Dramou. En plus, t'es un lapin mâle, hein. Un lapin mâle sans femelle, ça sert à rien. Voilà, c'est dit, je l'ai dit. Alors, et ça, Thorgrim? Bon, Thorgrim, si j'ai l'autre. Bah non, on va. Attends, qui est. Lui, elle a un couteau, il a un. Ok. Toi. Tu vas aller chasser, d'accord? Tu vas aller chasser. Tu vas aller chasser. Tu vas aller chasser du lama, d'accord? Alors. Voilà, on va aller chasser. Voilà. C'est pas grave. On a faim. Par contre, ouais, c'est normal qu'il n'y ait qu'une seule carabine, d'accord. Ok, c'est cool. En tout cas, au moins, on ne mourra pas de froid. À Magand, le pauvre, je le vois travailler là. Personne ne veut. Salut. Ouais, je sais que le Nutrients Paste est pas mal. Mais malheureusement, j'ai vraiment zéro bouffe, quoi. Et je pense que. En fait, j'ai vraiment eu le mildew. Je sais pas pourquoi, j'ai déconné. Il fait quoi là, il sweep? Ah, ah, yes, vas-y, tue-moi cet alpaca. Très bien. C'est beau ça. T'es un véritable homme, tu nous ramènes de la nourriture. Non, non, putain, pas là, pas là! Ne va pas là! Ne va pas là! Je suis encore en low food, hein. On n'a pas eu de deux. Allez, faites des enfants, les animaux, là. Putain, ils se réfugient là-dedans, quoi. Tout mon travail de chasse. On profite aux insectes, c'est quand même dégueulasse. Non, 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 non. Ah non, les insectes sont morts! Oh bordel! Incroyable! Incroyable, les insectes sont morts! Incroyable! Attends, viens là, il sweep. Viens là, viens là, viens là. Oh, putain, on va pouvoir récupérer cette bouffe! Incroyable, en fait, il y a des wargs. Il fait quoi? Il l'a mangé? Putain, il s'est jeté sur le warg, cru il l'a mangé, mais c'est pas possible. Ok, mais en tout cas, ça c'est une super. Ça se mange ça ou pas? Peut-être ça se mange, trop bien. Ça c'est le. C'est un cadavre d'un gars. Tout ça on peut le manger en fait, ce serait trop bien. Ok. Ouais, les wargs sont. Putain, ils sont entretués avec. Putain, trop bien, trop bonne nouvelle. À part que Eugene est en train de bouffer le warg cru sur son lit, mais bon, sinon, qu'est-ce qu'il fait, Eugene, là? Mais non, il faut le manger. Putain, il y a Amarante qui est en train de vomir tout, quoi. Ok. Ok, pas grave. Il y a un rat, il m'appartient ou pas? Non. Bon, on va commencer à créer notre garde-manger. Je sais, c'est très ambitieux. Étant donné la situation. J'aurais dû faire du foin, peut-être.
Vous avez encore faim? Allez, je vais vous libérer encore un petit hop. Voilà. Peut-être je peux faire une zone où on stocke les corps des animaux. Attends, je mets juste une petite zone. Voilà. Et là, on met juste les. Je mets juste les cadavres frais, tu vois. Voilà, hop. Et du coup, j'enlève les cadavres. J'enlève les cadavres frais d'ici. Voilà. Ah, Magand, il fait quoi? Il a l'air d'aller danser tout doucement. Il va se reposer et il est en état de... Il... J'en ai deux qui ont pété un câble. Ils sont partis là. Ils sont en train de se balader là. C'est pas eux qui vont m'apporter de la nourriture. Une fois de plus, tout tient sur Eugene, qui est vraiment la personne la plus. Elle fait quoi dans la vie? C'est une scientifique, tu vois. Toujours avoir une scientifique à bord. Très important. À Magand, va falloir se ressaisir là. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que t'as ramassé? Il mange de la gelée d'insectes. Et ça, tu veux pas le manger par contre. Personne veut s'en occuper. Tiens, tu veux pas t'en occuper toi? Ah yes. Quelqu'un s'en occupe. Il sweep aussi, il est. Lui, il est pris par la tristesse. Là, on est en train de... Là, le premier hiver, il a été compliqué. Hein. On a deux... Il y en a une personne qui est morte et deux gars qui ont pété un câble. On a également tué la moitié de notre cheptel. Bon, c'est vrai, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur des jours. Hein. Par contre, Elisa, là, qu'est-ce qu'elle fait depuis? Elle fait rien depuis. Elle fait rien depuis quelques jours. Elle reste au lit toute la journée. Pourquoi d'ailleurs? On sait pas. Ok, je sais. On est bon? Ça, c'est un lapin à nous ou pas? Viens, on la chasse. Je suis désolé, hein, mais on va devoir chasser les animaux. On les tamera en été. Ça, c'est quoi? C'est un rat? Un méga scarabée? Ouh, même si elle a un an. Mais vas-y, on prend ça, c'est quoi ça? Yujit, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens, prends ça. Non, qu'est-ce que tu fais? T'as peur de quoi? Mais non, mais. Eugene. Eugene. Non, Eugene, 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 Eugene. Occupe-toi de ça. Voilà. Du coup, il y a un nouveau. Ok, il y a un nouveau gars. Donc là, je vais re-interdire. Un glopode, là. Non, non, on va re. Non, hello, on va re-disallo. Ah, c'est du jade quand même. Bah, un jour, on va. Un jour, on se vengera. On reviendra là, on se vengera. Elisa, qu'est-ce qu'elle fait, Elisa? Elle m'appartient pas. Elle s'en va? Genre, je l'ai soignée, elle se casse. C'est n'importe quoi. Elle a mangé notre nourriture. Bon bah. On en est où au niveau de la nourriture là? Oh, on a un peu de nourriture. Oh, ça fait du bien. On a un peu de viande. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Promis, le prochain hiver, on sera full. On aura trop de nourriture. Magand, il fait quoi là? Fatigue. Cet homme me fatigue. Ah, il apporte des petites baies pour nourrir Thorgrim. Ok. En fait, on va faire une, je pense, je vais prendre plein de Mufalo, on va se nourrir au Mufalo. Ouf.
Alors, là, on va stocker de la nourriture, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut définir là ce qu'on stocke, tu vois. Donc là, je vais stocker uniquement de la nourriture fraîche, tu vois. J'enlève tout le reste. En ressources, j'ai quoi? Je vais quand même prendre les plantes médicinales aussi. Ouais. Tout ce qui est plantes médicinales, on prend. Et on prend pas ça. Weapon apparel, ok. Tu vois. Et une fois que tu as bien trouvé le truc, tu copies-colles. Je copie là. Et ensuite, j'utilise J. Donc là, on stockera que la nourriture. Ce qui fait qu'il y a ce côté, hop, je prends l'alpaca, je le boucherie, je le mets là. Tu vois. Et là, par contre, inversement, on va enlever le fait qu'il y ait de la nourriture. Donc là, j'enlève la nourriture et j'enlève les plantes. Voilà. Donc je prends ça, je copie. Je colle. Ensuite, là, on va créer un petit comment ça s'appelle? Vous voyez, un frigo. Okay. Donc là, je vais le créer. Et l'idée, c'est qu'il fait du froid là et du chaud là. Alors, on pourrait optimiser et faire du chaud dans la pièce avec le froid, mais en été, ça fait genre méga chaud. Tu vois, donc, vaut mieux que ça aille à l'extérieur. Le Buffalo Grill? Ah, c'est ce que vous voulez dire. Attends, on a enlevé ça. Donc là, les Buffalo, ils se baladent un peu. De toute façon, si la porte est fermée, les petits Buffalo, ils vont pas sortir. Enfin, si, peut-être. L'idée, c'est qu'ils se nourrissent un petit peu. Voilà. Et après, on reconstruit tranquillement le pen. Donc, il n'y a pas d'alerte. Par contre, attends, Eugene, ça te dérangerait de... Voilà. Merci. De construire. Voilà, super. Et là, tu peux construire ou pas? Non. Skill trop low. Skill trop low. D'accord. Personne ne peut construire un frigo, c'est ça? D'accord. Ok. Donc en fait, je peux pas construire. Oh putain! D'accord. Ok, pas de problème. On cancel. Et on va refaire un petit mur en briques. Donc en fait, à un moment, il faut qu'effectivement que tu aies avoir un certain skill en construction. Donc là, j'ai quand même un problème, c'est que les ennemis peuvent arriver là. Bon, je vais pas avoir une attaque d'ennemis. Bravo les gars d'avoir laissé les composants dehors. Super. Génie, génie les gars. Bon là, on va. Tout ça, c'est. Il reste peu de tombes. Il reste peu de tombes. Comment dire, pas ouvertes. Hein. On va augmenter un peu notre cimetière. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Ok, pas grave. On va essayer d'augmenter notre compétence en construction. Très bien. On a, je crois, on a quoi? Oh, on a de la viande. Ça, c'est bien. Et on a de quoi faire du sol. On va améliorer un peu nos sols. Premier objectif, on améliore nos sols pour que les gens soient plus heureux. Et à deuxième objectif, on fait des vraies barricades en dur de façon à. Attends, hop, voilà. On peut même faire ça, je crois. Ça va être joli, voilà. Attends, mais ça, c'est incroyable que c'est là. Voilà. C'est pas ultra urgent hein, le polissement des sols. Hein. C'est uniquement si vous avez de la nourriture. Ah mais le printemps arrive! Le printemps arrive, c'est merveilleux. Quel bonheur. On va faire un petit sol en bois là. Pour nos salles de stockage. Hein. On n'est pas là. Ok. Alors, qui a. Donc Amagand, il a des vêtements nuls, c'est ça? On va regarder ça un peu. Qu'est-ce que t'as qui va pas? Alors, tu as un t-shirt en peau d'ours. On va te faire une petite chemise. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas être content. On va faire une petite chemise. Petit t-shirt même. T'as l'intérêt d'aimer ça. Voilà, un petit t-shirt tout propre, tout neuf. Donc là aussi, dans la chambre des amoureux, non, on fera peut-être une chambre en marbre.
L'idée, c'est plus les chambres sont jolies, mieux ça va, tu vois. Ouais, la chambre des batteries, c'est un peu nul, mais bon. Un mole, c'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles un mole? Ouais, je sais, je peux double-clic, mais tu vois, même je te montre, par exemple, je peux double-clic ces meubles-là, tu vois. Et si je fais ça, je double-clique que ces meubles-là, mais bon, c'est pas... Bon, on a passé l'hiver. Enfin, on dirait, hein, il fait que moins un dehors. Ouais, on va pouvoir replanter. Et peut-être que je vais planter. On va peut-être plus planter. Hein. Je pense que j'ai pas assez planté. On va faire une belle plantation de riz. On va faire 2-3. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire 2-3 objectifs. Augmenter mes skills en construction. Ensuite, on fait 2-3 bonnes récoltes. On crée un gros frigo. Et après, on est invincible. Parce que là, la viande, elle va pourrir, malheureusement. Ok. Ryujin, je sais pas qui elle pleure, mais elle pleure. Hein. Allez. On va enlever ça. Ah oui, la kill zone. Mais moi, alors la killzone, le problème, c'est qu'elle est trop efficace. Oh putain, merde. Oh merde. Oh merde. Ils sont en train de s'enfuir. Security. Non. Le problème, c'est que les killzones donc, sont beaucoup trop efficaces. Et j'ai besoin, en fait, de recruter des gens par le système de prisonniers. Donc, voilà. On les commence. Pas très jolie pour l'instant. Merci beaucoup. Ouais, on peut avoir du foin, ça peut marcher. Mais en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire une zone incroyable de... Tu vois, en fait, j'ai envie de récupérer ces matériaux. Il sweep est en train de péter un câble, mais bientôt vous irez bien, les gars. N'inquiétez pas. Je gère. Alors, Eugene, il est en train de terminer son dernier petit polissage, là. Voilà. Ensuite, on va faire un petit sol. On a quoi? On a du marbre, c'est ça? Et ça, c'est quoi? De sandstone. On va faire un petit... Attends, c'est quoi? Pave tile. Non, c'est du style. On va faire du... On va faire du marbre, là. On va faire une petite zone en marbre. Joli. Tu vois? Hop, tranquille. Ah, en fait, c'est de la boue, c'est ça? D'accord. Ok. Donc, je peux faire juste cette zone-là. Pas grave. Ensuite, on va faire ça en marbre là. Voilà. En fait, on va faire cette belle chambre à coucher en marbre. Voilà. Et là, on va la faire en bois. On est pas mal. Oh, des trumbos, mais bon, on a pas les moyens de les apprivoiser pour le moment puisque Skyar est mort. Par contre, c'est peut-être le moment de réapprivoiser certaines créatures sympas. Il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est en psychose. C'est pas drôle. Alors, attends. Est-ce qu'il n'y a pas un petit animal qu'on pourrait... C'est quoi ça? Un rat? Oh, des lapins. Si la légende se confirme, les lapins, ils se reproduisent vite. C'est quoi ça? Ah merde, il y a un ermite. Il est mort. On s'en fout un peu. On va tame tous ces buffalos là. Ah, j'ai pas assez, ouais. Un magan de niveau 1. Ok. Oh, il y a une dinde. Alors, ça, on s'en fout les quêtes. Ok, ça, tu la tame. Il va falloir que je reforme un tamer depuis le début, quoi. Pas grave. Sur moi, c'est Jazokoti. Jazokoti et Jeanfeuille, ça baisse bien, hein. Ça. Oh yes! Un ibex! Pour ma collègue. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah, il sweep, t'es mort quoi. C'est ça le truc? En plus, t'avais la seule carabine. Ouais, bah, il est mort. Il est mort, non?
Ok. Bon bah attends. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a foutu? C'était l'espoir. You were the chosen one. Oh putain, il y a un feu. Oh, il y a le feu. Attends, Ryujin. Ryujin. Ryujin, on oublie. Le feu est où? On a le feu où, hein? On a le feu nulle part, non? S'il y a du feu? Il est où le feu? Ok, va. C'est pas grave, je suis désolé, il sweep. So long, guys. Je te laisse mourir. T'es dans le nid des insectes, je suis désolé. Non, mais par contre, ok, je sais ce qu'on va faire. On va arrêter de se faire bolosser par les insectes, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. J'en ai ras le cul de mourir à cause des insectes. Ouais, non, mais je sais que. Voilà. Donc, on va bloquer. Ok. Voilà. Et voilà. Ok. Je veux plus jamais avoir de problème d'insectes. Ok, et là aussi, les insectes, pareil. Il y a 1 million d'entrées. Ils sweep. Ben, ton seul espoir, c'est que tu te traînes à l'extérieur. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. C'est pas grave, on oublie. Je t'aimais bien. Voilà, très bien. C'est ça le. C'est comme ça que ça va se passer. Et comme ça, plus personne ne va venir nous chercher. Dommage. Ils auront eu ma peau. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de morts. Hein. En plus, il sweep. Non seulement il est mort, mais en plus, on va mettre un mur en bois pour jamais rentrer dans la grotte, quoi. Non mais si, un jour on ira le chercher, mais. Il fait moins 9 degrés, c'est le printemps pourtant. Ah, mon petit bonhomme de neige, il est encore là. Est-ce qu'on a de la nourriture ou pas? On est toujours en low food. Hein. Ah ouais, on est même en super low food là. J'ai 4 buffalo, donc j'ai forcément un buffalo en trop là. Attends, animals. En buffalo, j'ai quoi? J'ai deux. J'ai Zartan et Pataponche. Ok? C'est des adultes. Putain, il fait que des mâles là. Bon, désolé, Zartan, t'y passes, hein, ok? On a faim. Mais mange pas. Putain, Amagand, il est affreux. Amagand, il a tellement faim. Il mange direct sur le cadavre, quoi. Heureusement que Rudine est là. Elle mange. Ouais, bah, que son cadavre se fasse dévorer par les insectes, très bien. Du coup, attends, ça on va le tame et ça on va le tame ou pas. Voilà, comme ça on aura une femelle. Ah, il y a une entrée aussi là. Oh l'enfer! Ok, très bien. Voilà. Non, je suis en sortie là. Voilà, ok, très bien. C'est pas grave. Ouais, il sweep est mort, je le sais. On commence notre deuxième année. Compliqué, hein. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui nous attaque? Des. Ah, super, des lapins. Très bonne nouvelle. Ça, c'est chouette. Même s'il n'y en a qu'un seul, je suis content qu'il m'attaque. Allez, branle-bas de combat. On a deux couteaux. Ah, putain, la belle équipe. Voilà, il va falloir que je crée des killbox, hein, en vrai. Qu'est-ce qui se passe? Yes. C'est bon, il n'y en a plus?
Comment elle a pu se téléporter? Je comprends pas. Ok. Bah écoute, c'est bon. Allez. Alors, il y a un truc qu'on va faire parce qu'on a que des couteaux, malheureusement. C'est qu'on va faire la. On va faire la killbox. Hein. Putain, il refait froid, il refait moins 11. On est en printemps là. On est le troisième de après-mai quand même. Ok, donc on va déconstruire. Voilà. Ensuite, on va faire un petit mur là. Attends, je réfléchis. Non, c'est une très mauvaise idée. Putain, je suis mauvais. Oh là là. En fait, il faut faire un mur un peu labyrinthique, tu vois. Pour décourager tes colons d'y aller. Voilà. On va commencer par ça. En tout cas, on a de la bouffe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il neige encore. Il y a une éclipse de soleil, pas grave. On a tellement de choses à faire, je sais. Yes, vas-y, Ryujin. Vas-y, on mange les lapins, là. Très bien. Et on va faire un petit piège. Donc, en gros, j'en ai déjà parlé. Mais le truc, c'est que... donc, on peut pas mettre des pièges... les uns, voilà, ok. Donc, pour les gens qui connaissent pas les killbox qui sont dans Dwarf Fortress ou autre, en gros, l'idée c'est que là il y a une porte fermée et là il va y avoir une ouverture là. Donc, moi, mes colons, ils vont pas faire ça pour sortir, ils vont aller directement à la porte parce que la porte elle est ouverte pour eux. Mais les intrus, comme les rats par exemple, eux, la porte va se retrouver fermée. Par contre, il y aura une entrée là, donc ils vont aller là. Ce qui déjà va me préparer. Je vais gagner du temps à être là, mais surtout je vais mettre plein de pièges. Ce qui fait qu'en fait ils vont mourir le temps d'arriver là. Voilà. C'est le principe de la killbox. Alors là, c'est des pièges en bois, des pièges à loups en bois débiles. Mais après, tu mets des tourelles, des lance-flammes, tu vois, et hop, ils avancent. C'est un peu un exploit du principe de ce type de jeu, mais tout le monde le fait. Donc, enfin, pas tout le monde le fait. Tu peux décider de faire un run sans le faire, mais moi je le fais pas au début parce que j'ai besoin de, quand même d'avoir des prisonniers. Mais. C'est quoi ça? Ah, c'est un thump. Y a une étude très intéressante des killbox les plus efficaces parce que après tes ennemis vraiment vénères, tu vois. T'as des gens aussi, ils arrivent. En fait, là, l'idée, c'est on les attire par l'IA là, mais t'as aussi des ennemis un peu plus intelligents. Ils disent, ah, il y a une entrée, donc on va essayer de rentrer par l'autre, tu vois. D'où le fait de mettre des murs en marbre partout ailleurs, tu vois. Hey Shadow, je prends ton nom. Alors, qui est en train de péter un câble? Amagande. Les deux sont pas très bien dans leur tête. Hein. Alors, ça me fait penser que on a un nouveau. Bon, attends. Ah, il y a un nouveau Mufalo. C'est un mâle. Fais chier. Bienvenue sur Rimworld. Mais bienvenue sur mon stream. Hein. J'en peux plus cette grosse tête dans du dos aussi. Ça me fait chier. Parce que je vois qu'on peut faire des canalisations. Mais je pense que c'est pour. Non, c'est du waterproof conduit, c'est autre chose. Ok. Je sais qu'on peut pomper l'eau, tu vois. Ok. Il nous faut vraiment de nouvelles ressources. Qu'est-ce qu'il a, ma grande? Il nettoie tout. Ah mais attends, maintenant que j'y pense, puisqu'ils sont plus que deux, est-ce qu'il y a des trucs que personne ne fait? Non, non, ils font tout, tout.
J'ai envie de tout leur affecter, tout. Bon, je leur donne tout. Ouais, c'était pas trop la priorité de paver la pièce, mais bon. Que fait Amagande? Il déconstruit la porte. Ah, très bien. Pourquoi il déconstruit la porte? Mais non, je voulais pas qu'il... Ah, putain, non, il fallait pas la déconstruire. Pas grave, structure. Une porte en bois, s'il vous plaît. Alors, les animaux ont faim. Très bien, ben on va vous faire sortir. Technique du pâturage. Boum. Peut-être pas la prio, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est pas mal, là. On a des belles... Il faut que, de toute façon, là, il faut qu'ils construisent pour qu'ils deviennent meilleurs en construction, malheureusement. C'est parce que s'ils sont meilleurs en construction, je vais pouvoir construire mon frigo et éviter un hiver catastrophique. Elle est comment cette pièce? Elle est awful. Qu'est-ce quoi le problème? Elle est très sale. Parce qu'il y a de la, il y a de la boue, c'est ça? Merci Corwen. J'ai noté, je note ton. Je vais pas te donner le nom d'un écureuil tout de suite quand même. Là, il fait combien à l'intérieur? Il fait 20 degrés. Ça y est, maintenant ça chauffe quoi. La nourriture, la viande va pourrir. Hein. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Ouais, mais je peux pas construire de. Tant pis. Hein. C'est pour quand la récolte? Quoi ton problème? Alors, tu vas pas bien parce que t'es faim, t'as faim surtout. C'est vrai qu'il va falloir l'enterrer un moment, mais il a encore son cadavre est encore là quoi. Il va pourrir dans 17 heures. Vous savez, il va pourrir. Hein. Allez, reposez-vous bien. Mangez, mangez bien là, faites-vous plaisir. Non, je peux pas encore faire du mes pemmican et en plus là, ma viande de buffalo vient de pourrir, donc ça fait chier. Voilà. Et Ryujin vient de manger le dernier truc de viande alors que vraiment. Ok, on va aller chercher à manger là. On va chercher à manger, on va chercher à manger. En plus, ils peuvent pas chasser. Pourquoi? Alors, harvest, c'est parti. On va harvest les petites berries. Et ah, ça se présente mal. Ça se présente mal. Tous les deux, ils sont sur le point de péter un câble. Je sais pas s'ils vont s'entretuer ou quoi. Mais je peux rien faire. Vous avez pas à manger. Va chercher des baies. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Ouf. Non, c'est normal. C'est normal. T'as Ryujin pourtant, c'est vraiment le pilier quoi, c'est une scientifique, elle est tellement forte. Elle résiste à tous les stress. Yes, elle a terminé cette pièce en plus. C'est très bien, on a terminé les conneries. Elle traie le lama? Non, elle fait quoi? Elle le chire? Ah non, elle prend la laine du lama. Pas ultra urgent, mais ok. Il y a un petit buffalo qui s'éloigne, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ta ponche d'ailleurs. Ok, d'accord, c'est parti. On referme notre fence. Voilà. Amagande, je sais pas où il est. Il fait quoi? Il polie le sol, c'est ça? Ouais, ben. Vas-y, mon gars. Ils sont non violents. Ben, surtout, ils ont pas de. Ils ont pas de... Ils ont plus d'armes. Ils ont plus de d'armes, ils ont plus de, ouais, ils ont plus de. Après, j'ai un peu d'argent. Si je vois un marchand d'armes, je pourrais un peu le. C'est fou là, on est au printemps, il fait 11 degrés dehors. Amagande, dors Amagande, repose-toi, ok?
Ah yes! Un crash de transport, vas-y, montre-moi. Y a quoi? Yes! Il est vivant ou pas? Yes! Allez, Eugene. Tu vas me le sauver là. On a besoin de ce gars-là. Merci, Cassandra. Cassandra, comment on s'appelle Cassandra Classics. Petit cadeau du MJ. Tu vois. Il voit que tu galères, donc il dit, allez, c'est bon, je lui envoie un petit. Alors c'est qui d'ailleurs l'Icardi là? Ah, Maverick enfin a fait un petit bébé. Dis-moi que t'as fait une femelle, Maverick. Dis-moi que t'as fait une femelle. Ah, enfin, une femelle, putain. En faisant que des mâles. C'est aussi ça en fait ce qui m'a tué. C'est qu'il y avait que des mâles. Donc du coup, ça se reproduit pas trop. Donc là, elle est en train de le soigner. Donc lui, c'est un tisseur. C'est un tisseur, il peut tout faire. Et par contre, il est nudiste. D'accord. D'accord, ok. Pas grave. Ah ouais, bah tiens, l'Icardi, ça va être Zapac. Ah non, je peux pas encore changer son nom. À moins que, si, ou pas. Ah non, il est juste guest pour le moment. Ok. Voilà, c'est bon, t'as terminé ça, c'est bien. C'est bien, augmentez votre construction, les gars. Pas mal cette pièce, non? Elle est au full, ok, d'accord. Celle-là, elle est au full. Tout est au full. Et ça aussi, c'est au full? Descente. Ok. Alors là, ce petit garde-manger sans rien dedans, ça me fait trop, trop de peine. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Régine? Ah, il récupère des. Ah, oh, yes. Il récupère des berries. Très bien, très bien. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est un insecte. Avec un peu de chance, il va se faire détruire par les. Il y a d'autres insectes ou pas là? C'est le dernier insecte. Après, le lieu que j'ai choisi, il était violent, hein. Donc, ah, c'est un tailleur nudiste, ouais. C'est marrant ça. Amagand, il fait quoi là? Il fabrique son t-shirt. D'accord, très bien. Il va falloir quand même qu'on se concentre sur la nourriture, les amis. Hein. On a quoi en animals qu'on pourrait. Ouais, tu sais quoi? Attends, j'enfeuille. Alors, Vanisher. Vanisher non, c'est. Ah oh, putain. Ok, Thorgrim. Thorgrim, ne sert pas à grand chose, hein, en vrai. Parce que. Non, je vais te garder en vie parce que j'ai l'espoir d'un. Noden. Et Zapak. Maintenant, Zapak, on va te. Ah non, t'es un jeune adulte. Dans Zapak, on va te manger. On va te manger. Ça, c'est un squirrel femelle. Ça, c'est pas mal. Et on va manger ce petit Buffalo Calf aussi. Voilà. On est bien? Il y a du brouillard, il fait 5 degrés dehors. Voilà. Donc, quelqu'un est mort en mangeant Zapac. Non, Licardi. Ah, Licardi! Yes, Licardi, trop bien! Attends, mais Zapac, je savais pas que t'avais. Donc, tu seras Shadow, Licardi, d'accord? Bio. Tu seras donc Shadow. Shadow et j'ai déjà dit espoir, on va dire plutôt le vengeur, tu vois. Donc le mec qui va nous sauver des insectes. Merci Licardi. Tu es mon dernier espoir. Tu es entomologiste sur Rimworld. Bon, ah non, il n'y a pas grand chose à savoir sur les insectes, sinon que parfois ils t'attaquent. Amagand, il fait quoi? Il se passe quoi avec Amagand? Il est mort? Non, il est pas mort. Ouf. Du coup, ça tombe bien, Shadow, je vais te donner son couteau. Est-ce qu'il y a une arme qui traîne? Oh yes, un pistolet! Incroyable! Ryujin, tu prends le pistolet. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un. Ah, c'est son ancien t-shirt. Ok. On s'en sort pas, hein. On s'en sort pas. Est-ce qu'il y a du bois? J'ai du bois. Ah mais non, il n'y a plus de bois. C'est pour ça qu'ils construisent plus. D'accord, pas de problème. Ordre. On va couper du bois. Là, on va quand même avoir masse de riz. C'est pas mal. Attends, Shadow, il s'est construit ou pas?
Attends, bio. Est-ce que tu sais construire? C'est craft, mais c'est pas construire. Ok, pas grave. Shadow, il a quoi? Il a encore mal. Il a mal partout en fait, le pauvre. Il a deux fractures. Sternum humérus. Non, non, mais Shadow, il faut te calmer là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avance tout? Il va où là? Merde. Amagant, tu fais quoi? Ah, ok. Et il y a Ruijin qui est en train de péter un câble. D'accord. Elle est mal nourrie. Ok, elle est où Ruijin? Alors, Shadow, tu te réveilles. Tu vas sauver Ruijin, ok? Tout de suite. Et dans la foulée, on va laisser le couteau là. Voilà, très bien. Ah putain, Starvation. Shadow, est-ce que tu peux nourrir. Putain, je peux pas la nourrir, il n'y en a pas de nourriture quoi. C'est l'enfer. Attends, est-ce que tu peux. C'est presque. Alors, on va couper un peu de riz, d'accord? Vas-y, Shadow. Coupe le riz. Ok. Ok. Et tu vas nourrir. Tu nourris tout de suite. Quoi? Non, il va le manger. Ah putain. Ok. Harvest. Tiens, Shadow. Tu peux. Voilà. Harvest. Ok, et nourrir. Ah, il va nourrir Eugene. Non! Ah putain, c'est l'autre qui a mangé, c'est pas possible. Ok, pas grave, Harvest. J'essaie de nourrir la personne afin qu'elle meure pas de faim. Voilà. Et il l'a mangé? Putain, mais c'est pas possible. Harvest. Il faut nourrir Eugene là, elle est en train de mourir de faim. Shadow, je sais que t'as. Je sais qu'il faut. Mais. Ah, ça y est, il a pété un câble. Ah, putain! D'accord. Ok. Amagand aussi. D'accord. Personne ne va. Ok. Bon, elle est juste en malnutrition modérée. D'accord. Amagand. Ok. Bon, Shadow. Je sais que t'as sommeil. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok. Putain, mais à chaque fois, il mange. Mais nourris ta copine. Shadow, stop. Yes. Putain. Trop bien. Ah putain. Ok, très bien, pas grave. D'accord, en fait, si la nourriture ne vient pas, ok, tu vas nourrir. Nourris-toi, elle peut pas. Ok. Ok, bon bah, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, les deux là, ils peuvent pas care en fait. Ça je saurai une prochaine fois. C'est si tu si ah non il peut care, c'est quoi ton problème? Ah oui, il est pas docteur. Ok. Docteur, docteur, docteur. Ok. Ok. Feeding. Ok, super. Alors, Shadow fait un petit ok. Allez, c'est parti. Amagand est tombé par terre. Qu'est-ce qui s'est passé, Amagand? T'es où? Toujours le même problème. Toujours le même problème. Bah, désolé, Amagand. C'était cool. Heureusement que Shadow est là. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Bah, ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire, Amagand. Tu peux pas te lever. Il est à ma grande. Voyons un petit. Alors. Il a perdu conscience. Bah, ma grande est mort. Ok. Pas de problème. Ah, oh, chier. Il n'y arrivera jamais. Hein. Les insectes, c'est la mort. Mais en fait, Amagand, il a pété un câble parce que je leur demandais trop de choses. Et il est allé dans les cavernes. Ils vont tous dans les cavernes. Il est allé à la recherche de son ami qui était mort, qu'on n'a jamais enterré. D'ailleurs, là maintenant, qu'il compte même plus et il est mort. Voilà. Il est mort. Comme l'heure. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas les. Vous avez pas les. Attends. Ah merde. Voilà. Vous n'avez pas les infos. Attends, je vais peut-être la mettre plus par là. Voilà. Voilà. Oh, l'enfer. Ouais, tiens. Ah, un marchand.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle, un marchand d'armes. On n'a rien à échanger. Bon, il nous faut un revolver et on est bon. Bon, tu sais quoi même, genre, j'ai pas envie. Je vais te équiper un revolver. Venez manger mes précieux trucs. Alors, il est où? Il est là. Allez, viens. Alors. Ouais, Shadow, je sais, il est mourant. Alors, qu'est-ce que je vais vous acheter? Du pemmican, ouais. Putain, trop bonne idée. Oh, tu me sauves la vie, le marchand d'armes. Je te fais des bisous. T'as pas un petit revolver aussi? Non. Ok. Bah écoute, c'est cool, hein. Je te vends ce t-shirt en peau d'ours. Il appartenait à quelqu'un qu'on aimait bien. Et également, ah, ce short beau, je vais le garder. Hop, c'est parti. Allez, on a de la nourriture. Voilà, il nourrit Ryujin. Qu'est-ce que je galère alors? Parce que c'était plutôt bien passé la première fois. Alors, j'ai quoi? Je crois que j'ai un arc qui traîne là. Ça m'intéresserait. Ah, il est là. Je peux pas encore taffer. Ryujin ne peut pas encore marcher. Elle est en train de se soigner. Le pemmican, tu l'as pas rangé, Shadow, hein. Mais bon, j'imagine que tu dois te soigner un peu. Suis désolé, j'aimerais bien que tu ranges le pemmican. Tu dois te soigner, mais... Pauvre Shadow. Le mec, en fait, Shadow, il arrive. Donc, il est dans une escape pod. Elle s'écrase sur le sol. Et il est sauvé par des gens. Et en fait, à un moment, enfin déjà, ils n'ont pas de nourriture et ils ne savent pas comment gérer. Et attends, je suis désolé, on va prendre le dernier pemmican aussi. Il y a un écureuil fou, mais bon, avec un peu de chance. Attends, c'est quoi? On va peut-être. Je vais peut-être négocier encore avec eux là. On va prendre de la thune. On va prendre de la nourriture encore. C'est dans du pemmican ou. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont rien. Ils ont des rations de survie, ce qui est cool. Les peaux composantes aussi, c'est important. Allez, accepte. On a des rations de survie, c'est pas mal ça. Ok, allez Shadow. Les gens sont où? C'est on est ready to harvest là, il va falloir harvester un moment. Donc elle est en pour combien de temps? Elle est dans un coma catatonique, d'accord. Je sais pas sous quelles conditions ça va sortir, attends. Donc on s'en sort quand? Bah elle est catatonique, donc en gros Shadow il est tout seul quoi. Là là, l'enfer. Adieu. Allez, mon Shadow, va falloir s'occuper de la bouffe. Hein. Vas-y, mange ton pemmican et ensuite harvest. Ah putain, toute la journée il fait que dormir quoi. Parce que là, le riz, on peut le. Attends, on peut le. Allez, c'est le moment de harvest là. Il est pas. Il se lève, il mange du pemmican, il va se coucher quoi. C'est sa routine quoi. Shadow, tu fais quoi là? Ah, tu construis un mur. Bon, ok, ça c'est bien. Ça en vrai c'est bien. Le riz peut t'attendre. Yes, c'est bon. Vas-y, ramasse ce riz. Merci. Merci Shadow, se met à ramasser le riz. Enfin. Ok.
Bon, si on a du riz déjà, on va avoir à manger. Il va falloir qu'on survive l'hiver, quoi. Vas-y, ramasse, ramasse, ramasse. Ah, Mortagnon. Je sais même pas qui est Mortagnon, mais. C'est qui Mortagnon? Ah, on a un deuxième. On a un deuxième Mufalo. Très bien. Ben voilà, les choses s'annoncent bien. Ah, yes, une tempête. Un petit feu là, c'est le moment jamais. Pile sur notre maison en bois, ce serait trop bien. Le feu est où? Alors, on va avoir du feu, hein, c'est sûr. Cassandra Climax, elle... Ah, c'est bon, c'est un petit feu qui a... Oh, c'est loin, on s'en bat les couilles. Très bien. Si ça pouvait. Oh, c'est des chevaux. Ah, pas mal, mais bon. On va les laisser. En fait, on peut les laisser prospérer, tu vois. Avec un peu de chance, ils vont tomber sur les insectes. C'est ce que je veux dire. Lui, il a toujours le revolver, on est d'accord. Très bien. Comment ça se passe dans sa tête? Tout va bien. Est-ce qu'il a des needs? Il est juste mécontent parce qu'il y a un coloniste qui est pas encore enterré, mais son cadavre va pourrir. Qu'est-ce qu'il fait Shadow à l'extérieur là? Il nourrit le chien? Non, mais ne traîne pas. Ne traîne pas. N'empêche qu'elle est mignonne, notre petite ferme, tu vois. Vas-y. Regardez, on a quelques ressources là, c'est trop bien. Alors, on a un raid. Ok, pas de problème, tout va bien. Ok, yes. Il s'appelle Echidna, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. On va pouvoir le blesser et le récupérer dans notre prison magnifique. Allez, vas-y, Ekida, montre-nous ce que tu sais faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque quoi? Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il attaque. Ah, il attaque mon écureuil. Il attaque Squirrel 1, l'enfant de Jazz Okoti et de Evanisher. Allez, Ekida, c'est entre toi et moi là. C'est un joli nom, hein? Pauvre Ryujin, une scientifique qui a tout donné, et là elle a pété un câble. Ah non, il poursuit les hérissons. Les. Ah, mauvaise nouvelle là. Malheureusement, Vanisher. Ah non, t'es enceinte, et t'as échappé à Echidna. Bonne nouvelle, hein. Ouais, amenez-le chez les insectes, ça va être rigolo. Ah, très bien, allez, enfin. Là, il y a un lapin là encore. Il est à moi ce lapin ou pas? Non. Ah, le chien là. Je vais pas m'occuper d'un chien en plus, hein. Shadow là, il est toute la nuit sous la pluie là, en train d'attendre avec son pistolet. Kidna, mais quel nul. Il fait quoi dans la vie ce gars? C'est un scavenger, donc c'est un. Comment on appelle ça? C'est quoi scavenger? C'est les. Comme les vautours là. Il est cannibale et il est beau. Et il peut pas faire des choses. Il peut pas. C'est un cannibale mais qui ne peut pas faire du travail abrutissant. Par contre, c'est bien cuisiné. Allez, viens! Voilà, revenez à la maison. Ah, oh, putain, il a tué qui? Jean Feuille. Jean Feuille, t'es mort. Juste pour info. Bon, mais Kidna là. Et toi, t'es qui? Jazz Okoti. Qui a donné naissance à tant d'écureuils. Charognard, voilà. Ah, vas-y, rentre. Jean Feuille, si tu rentres à la maison, au lieu de te balader sous la pluie, là. C'est bon parce que Kina, il n'attaque que les animaux qui m'appartiennent. Hein. Les autres. Tiens, Zach, t'es mort. Allez, Jean Feuille. Hein.
n'y a pas de chat dans ce jeu. Je crois que c'est vraiment un jeu de dog people. Allez, c'est parti. Chadou. Chadou, tu as patienté sous la pluie. Sache que. Qu'est-ce qu'il attaque encore? Encore un écureuil. Vas-y, voilà, viens. Très bien. Ah non, putain, où est-ce qu'il va là? Il attaque encore Jazokoti. Y a des chats ou pas? Ah, y a des chats? Ah, trop bien. J'en ai jamais rencontré. Après, un gars d'Inria. Oui, il y avait un gars d'Inria, tout à fait. Un DRH. Bon, allez, Kina là. Tandis que les chats dans Dwarf Fortress, c'est un truc. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà! Allez, c'est bon. Shadow a attendu toute la nuit. Enfin, Echidna arrive. Il a son revolver. Il tient Echidna en joue. Avec un peu de chance, Echidna va faire ça, mais il n'y a aucune chance. C'est bon, il arrive. Ok, vas-y, on le tire dessus. C'est le combat de la flèche contre la balle. Voilà. Echidna s'approche. Petite erreur. C'est un combat aussi, tu vois, il voit pas grand-chose. Ah, ça y est, Kidna s'est fait toucher. Il s'est pris en plein torse. Hein. Et lui, est-ce qu'il s'est fait toucher ou pas? Il s'est pas fait toucher. Shadow en a connu de pire. Hein. Voilà, il s'est pris une deuxième balle. Et cette fois-ci où? Dans le torse encore. Ah putain, il y a Shadow qui est en train de péter un câble aussi. Mais tiens le coup, tiens bon Shadow, tiens bon, tiens bon. Allez là, très bien. Trois balles dans le torse. En plus, cage thoracique défenseur. C'est bon. Allez, tu vas y arriver. Tiens bon. Tiens bon, Shadow. Ah non! Oh merde. Oh merde. Ah non, c'est bon, il s'est pris une petite coupure de flèche. Ça va. Allez. Allez. Avec toute la. Tout, il tient bon là? C'est pas possible. Ah, ça y est, il est en train de perdre du sang. Très bien. Allez, il vise pas la tête. Vise pas la tête. Ah, il est en train de perdre du sang là. Ah, je peux vous dire que Echidna, c'est le futur pilier de la communauté. Faut juste pas lui défoncer le cerveau à coup de balle. Allez! Remarque, ce qui est cool avec les cannibales, c'est que j'ai tellement de morts dans ma colonie que eux au moins ils mourront pas de faim. Allez! Ah yes! Ah non, il est mort! Il est mort! Il est mort ou pas? Ah, il est mort! Ah, je t'avais dit, Shadow, on ne tue pas les gens! Allez, Shadow, vas-y, tu peux rentrer te coucher. Tout ce temps pour rien. Oh là là! Fais chier! Ah, c'est plus la galère qu'hier, quoi. S'est passé quoi? Non, bah ouais. Ok. Ok, on est au printemps encore? Il fait quoi? 19 degrés dehors? Mais non, c'est un beau printemps. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, Ryujin! Ryujin est sorti du. Elle est sortie de son état catatonique, incroyable! Ah, je suis hyper content. Il s'est passé quoi? On sait pas. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée du coma. Incroyable! Incroyable. Ah, je suis content parce que Rudine. Ouais, mais il fallait un petit break. Elle est où Rudine? Elle fait quoi? Non, non, mais pas la peine d'entraîner les chiens, en vrai. Il est où, Dre? Ah, on a une mare, comment on dit ça, une jument qui s'est auto-tame. C'est très bien ça.
Très très bien. Magnifique. Ça donne du lait, les juments? Et du coup, il me faudrait un étalon, mais on a quand même plus d'urgence. On a un tout petit peu de riz. Ah, Shadow s'est réveillé aussi. Ok, on est bien, on est pas mal. On a deux personnes opérationnelles. C'est deux fois plus qu'il y a un mois. À un moment, mais je vous dis, ça va être excellent. Cette base est trop grande. Cette base a des problèmes. Tiens, il y a le feu. Où ça? Ah, très bien. Alors, Eugene a déjà géré. Bon, cela dit, la pluie a beaucoup aidé. Est-ce que Eugene a faim? Non, c'est bon. Eugene n'a plus faim. Elle a encore une petite cicatrice sur son torse. Allez, c'est bien, on harveste. Harvester le riz là. Comment je peux avoir autant de plantations et si peu de nourriture en réserve? Ne me demandez pas pourquoi. Ah, comment on va faire? Il me faut un troisième gars là. Dès que je peux, j'augmente. Eh bien, le premier stream sur Rimworld apparaît, sera dispo sur ma chaîne YouTube demain et celui-là après-demain. Il y a le feu, il y a le feu. Ok, qu'est-ce qu'il allait chercher? Il mange du riz sous la pluie, Shadow, il en a déjà vu d'autres. Ah oui, Shadow, c'est le. C'est notre. C'est notre. Tailleur nudiste. Attends, pourquoi lui là? Training. J'ai pas envie de le train en fait. C'est bon. Bon, il est train en fait. Je sais pas. Ok, bon. On verra bien. Ah non, trop d'animaux, non. Après l'hiver que je viens de passer, je peux vous dire. Mais je pense que j'aurais tous dû les tuer en fait. C'était une erreur. Attends, j'ai pas besoin de le tame lui. Non, aider un réfugié, non merci. J'ai rien contre les réfugiés, hein, mais il y a plus d'urgence. Hein. Ah, ça c'est de la nourriture. Voilà! Il faudrait. Oh merde! Il y a un raid. Oh là là, ça s'arrête jamais quoi. Ah putain, les raids. Raiders. Alors, ils sont où? Jump to location. Ok, ils attaquent tout de suite. Il y a juste un gars qui s'appelle Grimms. Ok, alors attends. Elle a quoi? Elle a pas d'armes. Mais on va lui pécho l'arc là qui est là. L'arc, très bien. Tu t'équipes. Shadow, tu viens là. Tout de suite. Tu draftes et tu viens là. Ok. Voilà, Ryujin, tu draftes et tu viens là. Et on attend les agresseurs, ils sont où? Ah, il arrive, Grimms. Alors, Grimms, c'est qui m'attaque? Il fait quoi dans la vie? Elle a 79 ans, c'est une femme. Tain, malheureusement, elle est plus fertile là. Une survivante de l'apocalypse. Jailbird, c'est quoi? Elle a passé la part de son temps en prison. Alors, figure-toi, j'ai un projet pour toi, ma petite Grimes. Incapable of caring, j'ai vraiment de la chance. C'est vraiment super. En plus, elle est ascétique. Ça veut dire que plus c'est beau autour d'elle, moins c'est bien. Tu vois. Bref. Elle vient avec un couteau. Mais tire bien. Allez, vas-y. Oh là là, elle vient avec son couteau là, Grimes. Oh putain, elle est encore morte, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au petit Jésus là? C'est passé quoi? Putain, en plein cœur. Shadow là. C'est insupportable. Elle a une cataracte, cela dit, ouais. Elle avait un mauvais dos, une cataracte. Alors, vraiment tous les problèmes de des vieux, quoi. Elle avait de l'argent avec elle, très bien. Et un couteau, très bien. Bon bah, écoutez, super, hein. Non, j'ai mis 0 DLC. Hein. Alors, qui c'est qui va péter un câble? Shadow. Shadow, c'est quoi ton problème? T'as besoin de quoi?
Attends, ouais. Je sais que notre ami Amagande n'est pas enterré, mais bientôt. Ah, de l'ambroisie, ça nous fait du bien. Donc l'ambroisie, c'est de la drogue. Ah, mais c'est de l'autre côté du mur, mais bon. Finalement, j'ai peut-être espoir. On verra bien. On va s'occuper En fait, moi, mon rêve, c'est que ma killbox marche bien. Comme ça, on a peut-être une chance d'avoir des prisonniers et d'augmenter un petit peu notre. Salut l'âme! Oh, merci pour le raid! Des bisous les raiders. On joue à Rimworld. Rimworld, c'est une sorte de Dwarf Fortress. Donc, c'est une simulation de colonie spatiale. Donc, ça, c'est ma colonie. On n'est plus que trois personnes, dont un qui est mort. On va dire, on n'est plus que deux. Et ça, c'est des champs pour me nourrir. Ça, c'est mes créatures. Mon petit parc de créatures. Ça, c'est une prison. Voilà, j'ai des éoliennes. Et si je place pas des portes entre les pièges pour accéder. Oui, non, bien, mais la porte, elle est là, mon petit. Ne t'inquiète pas. Oui, je sais. Je vois ce que tu veux dire pour les pièges, mais c'est pas mon problème pour le moment. Ouais, la colonie s'appelle Liberté et Autogestion, effectivement. Là, c'est plutôt auto-cannibalisme, on ben, plutôt, mais bon. Ouais. On a de la nourriture là, hein. Ça c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Shadow là? Ah, il est en train de tondre le lama. Je pense que la tonte, c'est pas l'urgence. Shadow va mal là. Ça y est, déjà il y a un truc qui est bien, c'est que le cadavre de notre ami a pourri. Ce qui fait que on va plus psychoter de ne pas l'avoir enterré. Mais si, il est super l'âme. Alors Shadow, c'est quoi ton problème? T'as besoin de quoi? Mais non, il n'est plus là, tout va bien. Shadow, son moral, c'est que dans la vie, il est heureux parce qu'en fait, il attend très peu de la vie. Ça, c'est une bonne philosophie. Oh là là, c'est bon, je sais, t'es trempé. Vas-y, va dormir, Shadow, ça te fera du bien. Toute cette bouffe qui reste à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, Ryujin, là? Elle se relaxe socialement toute seule. Super. Quel enfer. Les cadavres qui pourrissent. Oh là là. Bon, Attends, en plus, j'ai la nourriture qui pourrit, là. On va essayer de tame le cheval. Non, le Megatherium est sauvage. Il est là. Je l'embête pas. On s'embête pas. Tout va bien. En fait, c'est un peu. Ah tiens, il est un peu abîmé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est pris des coups de. Mais ce qui est. Ah, elle est tombée sur mon piège. Ah, c'est ballot. Avec un peu de chance, à un moment, elle va. Ah, Shadow se lève, il mange un peu de riz. Miam miam. Vas-y, fais-toi du bien. On a des visiteurs qui arrivent. C'est qui ces visiteurs? Ouais, mais moi j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai surtout besoin de gens. Hein. Là, j'ai juste besoin de force de travail. Hein. Bon, on va réorganiser le travail. Donc, Firefight, Patience, c'est bon. Se reposer, Basic. Ok. Warden. Ça, c'est les prisonniers. Donc, on va laisser Ryujin le faire. Handle. C'est. Time Train Harvest Ressources. On va laisser Eugene parce qu'elle est forte à ça. Du coup, on va le laisser en fait, on va le laisser en construction l'autre, tu vois. Voilà, on va le laisser en construction. Grow. Ah, il peut faire du gros lui. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, on est encore en low food, il y a la nourriture et on n'a qu'à se ramasser. Alors, mine, on va. Voilà. Plant cut. On va laisser à lui. Smith Taylor. Voilà. Owl. On va les mettre aux deux. Clean. On va le mettre. J'ai besoin qu'elle construise un peu. Et Research, on va faire comme ça. Ah, Rassler. Oh, des petites médecines. Merci. Merci des médicaments. Trop bien. Les manual priority. Si, de temps en temps. Mais là, j'ai. En fait, j'ai un problème. C'est que. Tu vois, s'ils s'occupent tous de la. D'ailleurs, en fait, là, c'est plus efficace qu'un gars
plante du riz et l'autre le ramasse que deux plantes du riz, tu vois. Donc oui, les cases en rouge, c'est les cases où c'est pas les cases, c'est les cases dans lesquelles il n'est pas bon. Donc on vise, enfin, dans un état un peu critique comme ça. Ah tiens, Jazz Okoti est retourné à la liberté. Ben, va te faire mettre. Que fait Ryujin là? Elle joue aux échecs. D'accord. Toute seule, mais pas grave. On a de la nourriture, on n'est pas trop mal. On est en été déjà, c'est un enfer. J'ai rien fait de ce que je voulais faire. Je vous prédis un hiver malheureux. Si tu veux dire le schedule, moi j'aime bien ce que le schedule. Bref. Façon, ça sert à rien de cultiver. En fait, idéalement, il faut cultiver. Il y a une vague de froid. L'hiver arrive, comme ça tout est congelé. Mais bon. Là déjà, quand on aura fini notre killbox. En fait. Ouais, je sais, Mori se désagrège, je sais. Qu'est-ce qu'elle fait, Eugene, là? Elle essaie d'apprivoiser une dinde. C'est ok. Super! On a apprivoisé la dinde. Alors attends. Cornman, tu seras cette dinde. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'une dinde femelle. J'ai un dindon et une dinde, tu vois. Donc ça c'est une super nouvelle parce que ma dinde était morte de froid cet été. Ah, elle est enceinte en plus, a priori, puisqu'elle est pas là. Ah, si, elle est là. Donc, dinde. Tu seras donc Corman la dinde. Et en fait, c'est nul d'être une dinde, mais c'est vraiment utile en vrai. Tu vas me faire des petits œufs. Et Mielka, t'es mort. Et si j'ai un étalon et j'ai plein de petits poulains, ça va être super. Mais par contre, Eugene, j'aimerais bien qu'elle tame pas. Qu'elle tame pas. C'est quoi? C'est Handle? Tame Animal, tu vois. Donc on va inverser. Eugene, elle travaille trop là. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon ami Amagand est mort. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Allez, voilà, c'est bien. On stocke, on a des pommes de terre et du riz. C'est pas mal. C'est bon, ça. Tu es mort de. T'as pété un câble. T'allais te promener dans les cavernes. Il y avait des insectes démoniaques. Voilà. Oui. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais en fait, à un moment, les batteries, ça allait. Tout allait bien dans la colonie. On était quatre. Ça grossissait de ouf. Et voilà, il y a eu une rupture mentale, quoi, voilà. Et j'ai passé un hiver compliqué. Non, t'es pas mort enceinte du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, allez, je suis aussi en train de faire ça. C'est-à-dire de sceller les entrées des insectes. Comme ça, ils me pètent plus les couilles. Ok, ben là. Comme dans la vie réelle, l'été c'est toujours plus agréable. Alors, AQMG a given birth. C'est qui AQMG déjà? AQMG. Ah, yes, un alpaca. C'est bien, il faut que vraiment ils se nourrissent à balles, tu vois. Genre qu'on ait plein de petits bébés qu'on puisse malheureusement tuer dès qu'il fait moins 6. Voilà. Voilà, Shadow, vas-y, mange. Fais-toi plaisir. Allez, Ryujin, c'est parti. Ce serait super chouette, Ryujin. Super chouette. Qu'est-ce qu'elle fait, Ryujin, là? Elle se balade. Elle se balade dans les champs, elle est heureuse. Ok. Ce serait hyper bien qu'elle s'occupe de ça, quoi. Non, 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 tu sais quoi? Attends. Eugene, si tu t'occupais de ça là. Ah, on n'a pas de. Bah, occupe-toi de ça d'abord. Ah putain, elle fait pas du plant cutting. Ok, d'accord. Ok. Pas grave, pas grave. On va le faire. Ouais.
D'accord. Ben, on peut construire, ouais, je peux construire le truc à nutrient paste. Ok, vous m'avez convaincu. Donc ça, c'est pour, c'est pas cool, mais c'est mieux que. Je sais, je le mets là. Attends, j'ai pas trop de place dans ma salle de récré, mais on va faire ça, voilà. Hop, hop. Avec un peu de chance. C'est vrai que, en fait, donc en gros, ce qui se passe, c'est que tu peux nourrir de la cu nourriture cuisinée. Mais si t'as pas de cuisinier et que t'as pas le temps, en fait, tu peux créer un truc qui réduit la nourriture en espèce de pâte. Donc ça, c'est pas très cool parce que ça leur fait un moins 4 de malus sur le. Mais l'avantage, c'est que déjà, ça consomme beaucoup moins de nourriture. Attends, il faut aussi que. Ça marche aussi à la power conduite. Il va falloir quand même que je fasse un power conduite là et là parce que je suis vraiment un très bon planeur, tu vois. Bon alors. Mais je vais gagner cette partie, hein, je l'annonce. Qui c'est qui est en train de péter un câble? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, Regine? Très bien. C'est dur hein, d'être deux, hein, d'avoir une si grosse colonie. C'est la difficulté normale, celle du début. C'est pas facile ni pas facile. Enfin, c'est. Par contre, je suis en Iron Man. Si je fais une bêtise, je l'assume jusqu'au bout. Alors, Ryujin, qu'est-ce qu'elle fait? Yes, elle continue, elle prend le bois. Elle mange des pommes de terre. Vas-y, va manger des pommes de terre. On a des petits œufs aussi, on a un œuf. C'est cool ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore construire. Voilà, elle construit les pièges, c'est très bien. Ce serait encore mieux si on avait une porte. Comme ça, les gens, ils rentreraient pas par la porte. Ah yes! Non, non, fais plutôt ça là. Ok, dommage. Ok, on peut le faire là? Oh putain. Attends, je vais peut-être la signer à couper des grow. Harvescope. Replanterie, non. Donc c'est quoi le couper des bois, couper du bois que peut pas faire Ryujin, c'est handle peut-être. Tame animal, non. Grow, ça doit être gros mais bon. Non. Ah, plant cut, je suis trop con. Attends, il y a qui que j'ai pas enterré en vrai? Ah non! Ah non! Oh putain, l'enfer! Oh non! Oh là là! Ouais, ok, d'accord. Je sais ce que vous voulez dire. Je sais ce que vous voulez dire par là. J'aurais dû mettre des portes. C'est ça que vous voulez dire? Hop, une porte là, une porte là, une porte là. Et une porte là. Ok, c'est ça que vous vouliez que je fasse. J'ai fait une porte en trop. Je sais, j'ai eu la flemme, ok? Salut. Ouais, on n'est plus qu'un. Ah, attends, il est arrivé quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu. Elle perd de. Oh là, elle perd de. En plus, Shadow refuse de soigner les gens. Donc, elle perd du sang. Elle a le bras droit défoncé. Le bras gauche. Le cœur a été écrasé. Ah, c'est pas, on n'est pas top là. Hein. Attends, il est où le. Ouais, je sais qu'ils ont été. On pourra pas les résoudre ce problème avant très longtemps. Bon, en espérant qu'elle se soigne toute seule. Hein. Il l'a soignée? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Parce que lui, il peut pas soigner. Ah non, si, c'est bon, il peut soigner, autant pour moi. Ouais, je peux y aller la nuit. Psychotrope, non, c'est pas trop. Mortanian est prêt. C'est bien. Ah, ça y est, les alpacas commencent. Oh, il y a un petit. C'est quoi ce. C'est juste un écureuil hein, qui est mort, très bien.
Alors, Ryujin est en train de est en train de marcher dans la nuit et elle a perdu l'esprit. D'accord. D'ailleurs, il faudrait que je lui redonne son arc, peut-être. Shadow, par contre, il vit sa vie en life en pleine nuit, il est en train de couper les arbres. Ouais, je sais, j'ai. Ah, yes, il a fait une porte. Trop bien. Merci, mon Dieu. Il a fait la porte. Bon, là, déjà, on augmente nos chances de capturer des gens. Maintenant, il faudra un congélo, mais. Attends, Shadow, il sait construire ou pas? J'avais oublié. En construction, il est toujours nul. Super. Ryujin. Notre viande d'écureuil. Ah mon Dieu, tant de travail. La base n'est pas tout à fait sécurisée. J'aime pas trop parce que ça laisse peu de chance à l'ennemi, tous ces pièges. Attends, il y a un piège là aussi, il faut que je mette une porte supplémentaire. Attends, Ryujin, va pas tout de suite, va pas tout de suite. Où elle va? Où est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va où? Psychotique. Oh non, non, oh putain. Oh non, non, vous savez où elle va? Oh non, 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 non. N'y va pas, non, non. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Elle y est allée, elle y est allée, c'est la mort. Allez, casse-toi. Elle est morte. Ok, elle est morte. Bon, dernier espoir avant que la. Non, est-ce que je vais la chercher ou pas? Ouais, on va essayer de la sauver. C'est l'enfer. Ah non, le jour se lève. Le jour se lève. Non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Non, Shadow, finalement. Avec un peu de chance, les insectes. Avec un tout petit peu de chance, d'accord? Ouais, je sais. Shadow, je sais pas ce qu'il fait. Allez, vas-y. Oui! J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça pour les deux autres. J'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. Et c'est Shadow qui va peut-être péter un câble sur la route, mais. Pas passer loin. C'est fou comme là on est en été. Et tout à l'heure sera l'hiver, je dirais. J'aurais plus aucune bouffe, je dirais. Mais qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps, tu vois? Là, entre-temps, il y a un lapin qui est mort. Ok. Ouf, alors. Voyons un petit peu ce qui s'est passé. C'est quoi son état de santé? Perte de sang. Clavicule fracturée. Ah, coupure sur. Voilà. Stab, bruise, crête. Ah, putain. Des fractures partout. Hein. Qui c'est qui meurt de faim? Eugene? Il est où? Il fait quoi, Shadow, là? Un wild man est arrivé. Donc on pourrait le tame, tu vois. Malheureusement, ça va être compliqué. Ah, Ark, il fait quoi dans la vie? Ark, c'est un. Il s'appelle Kaneda. C'est un ancien hacker qui a après été conducteur de. Non, technicien de guerre. Voilà. Et bah, maintenant, il est incapable de socialiser. C'est devenu un homme sauvage, tu vois. Donc je pourrais le tame, mais il peut m'attaquer, tu vois. Akira Kaneda. Ok. Bah, avec un peu de chance, il va. Ah non, avec un peu de chance. Non. Parce que même s'il tombe dans un de mes pièges. Bon, bref. Beaucoup de batterie, je sais. Non, mais je vais arrêter de jouer là. J'arrête dans 10 minutes. Je mange et. Vas-y, ramasse le coton. C'est vraiment inutile, mais vas-y. Shadow. Shadow.
Et là, il y a aussi ce Noden qui est mort là. Qu'est-ce qu'il fait quoi? C'est pas une amitié franche qui se crée entre Ryujin et Shadow et qui font pas des bébés, je comprendrais pas, tu vois. Ouais, vas-y, coupe un peu de pierre, Shadow. Tu sais quoi, je vais te mettre en construction aussi. Parce qu'en vrai, plus que t'es en vie. Work. Voilà. T'es pas bon en construction, mais. Ah, Chunk of Spacecraft. Ils sont où? Quoi? Ah putain, un raid. Ok, c'est pas grave. On va gérer les choses une par une. Alors, ils attaquent tout de suite. Non, ils sont où? Jump to location. Il est tout seul. Très bien. Alors, Shadow, on va pas le solliciter tout de suite. On va surveiller le gars, tu vois. Hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle Verea. Verea, c'est un ancien constructeur de maisons dans les arbres. Très bien. Et il s'est bien visé. Ok. Moi, j'attends. Tranquillement. Ryujin, en plus, elle s'est marchée. On a perdu l'arc chez les insectes. C'est pas grave. Vas-y, Verea. Voilà. Verea attaque. Fait quoi là? Il attaque les écureuils. Tu vois, comme ça, je les ai pas emmerdés toute la journée de travail. Tranquillement. Il attaque qui déjà? Squirrel 1. Tu vas où, Verea? Voilà. Très bien. Ah merde, il a trouvé mon chien. Allez le chien, on rentre à la maison. Putain, le chien. Alors le chien s'est pris rien pour le moment, tout va bien. J'arrête dans 10 minutes. Verea a abandonné. Il a quoi? Ah, il a un arc, c'est bon. Ah oui. Attention. Oh là là. Alors là, ça y est. Donc, on appelle. Alors, elle a rien, je crois. On va juste draft lui du coup. C'est parti. Voilà, c'est très bien. Regardez beau, c'est beau ça. Pas besoin de. Alors pas besoin de prisonnier. Par contre, il a quoi? Juste un arc. On prendra le moment venu. Tout va bien. Vas-y, Shadow, hein, c'est bon. Hein. T'es dédrafté, hein, tout va bien. Ok. Ouais, il s'est bien visé. J'aurais bien aimé qu'il ne meure pas, mais bon. Bon. Alors, elle va comment? Elle a toujours en perte de sang, toujours la clavicule. Fracturé et toujours le radius gauche fracturé. On a de la nourriture, mais pas terrible, hein. Shadow s'occupe bien de Ryujin. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des portes. Très bien. Quel génie! Idéalement, il faut qu'il passe pas sur les pièges, mais. Ah si, c'est pris un piège là. On est d'accord. Ah non, il a ramassé quoi? Ah mais il butcher pas Shadow? Ah putain. Animal. Animal, attends. Putain, work. Slaughter. On met aussi. Ah non, c'est Ryujin qui a. Mais pourquoi il slaughter pas? Je comprends pas. Bref. Bah oui, animal filth. Ok. Ça te stresse de sortir un nouveau jeu? Yo, Tcherno, malheureusement j'arrête dans 5 minutes. Allez, Ryujin. Mais je vous dis, quand j'aurai bloqué ces deux entrées là, là je peux vous dire, on sera tranquille. On n'aura plus de problème d'insectes.
pas ce qu'il fait là. Que fait Ryujin? Elle joue aussi au. Ils jouent ensemble, une façon de. Est-ce qu'on va y arriver? C'est bientôt la fin de l'été là, ça me stresse un peu. On a littéralement zéro nourriture pour l'hiver. Bah si, on a la nourriture qui gambade là, mais. On est protégé niveau sécurité. Ah, il y a le pauvre cheval, il s'est fait mal. Ah, c'est notre. C'est quoi ça? Elle mange du lapin. Ouais, mais ça sert à rien si tu peux pas. Faut construire ça aussi, mon gros. Ah, j'ai plus de composantes? Si, j'ai composantes. Ouais. Ah, il y a Ark qui est là, le pauvre. Il est chez les insectes, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se fait même pas attaquer. Tout va bien. Il vit avec les insectes. L'homme sauvage. Akira, là. Akira Kaneda. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Shadow? Il va où? Il est en train de faire ma killbox, là. Bon, c'est bien. Le travail reprend. C'était un peu chaotique, mais ils sont nuls en construction, c'est terrible quoi. Merci Maker, je note MakerBud, hein. Je te donnerai un nom bientôt. Ouais, bah Shadow. Comment on fait? Personne peut le. Est-ce qu'ils sont capables de le construire en fait en vrai? Attends, je vérifie. Production. Ah si, c'est bon. Non, les quêtes, on va s'en passer pour le moment. Hein. Attends, je comprends pas. Elle a mis un corps. Non, on va pas prendre les corps d'humains ici. Ça ne va pas. Storage. Attends, on va pas prendre les corps d'humains. Non, pas d'humains. Ni de mécanoïdes. Vous êtes fous, quoi. Ouais, fin de l'été, certes, mais. Ah! Ils sont tombés amoureux. Incroyable. Ils sont tombés amoureux. Ça se sont rapprochés, hein. Allez. Vous avez droit à votre propre lit. Voilà. Regarde ça. Ils dorment dans le même lit, ils sont amoureux. Bah malheureusement, ça prend du temps hein, de faire un humain. Hein. On verra, là ils font même pas l'amour donc. Ah tiens, Ark il est là. Il y a Ark qui va bouffer notre nourriture. Ah yes! On a le dispenseur de nourriture. Merci petit Jésus. Ça c'est une bonne nouvelle. On va manger moins. Et c'est qui Allo Manka? C'est un nouveau gars? C'est qui lui? C'est aussi un gars. C'est un gardien de soupe. Bah moi j'aimerais bien, mais. On peut les tame, mais. Après ils peuvent s'auto-tame aussi. Bon, est-ce que cette partie vous a plu? Tuto Rimworld slash 3, c'est un truc qui vous plairait. Merci Garnish, je note pour le prochain. Est-ce que j'ai bien fait de faire une suite ou pas? Ou bof. Ça vous plaît? Bah MULK j'imagine, mais bon. Alors après je sais que j'ai tous les Rimworldiens qui sont venus là. Ils aiment le jeu. Mais à un moment on va creuser aussi là. On va faire des pièces. Jamais 203. Bon. En plus là, on a deux hommes sauvages qui traînent. Ils pourraient dormir dans des vrais lits, hein, mais bon. Le problème, c'est que si tu les, tu peux les tame comme des animaux, mais ils peuvent t'attaquer si toutefois ils sont pas. Donc j'ose pas trop.
Si je les tame. Voilà. Bon. Trop bien Rimworld, c'est un jeu qui me correspond bien. Bah moi j'aime bien ce type de jeu. Dwarf Fortress, c'est pas sur Mac. Ah, c'était drôle. Ouais. Merci d'avoir été avec moi. J'ai quand même une survivante du tout début, qui est Ryujin. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, il faut que je récupère. Et là, Arc Akira Kaneda, il se sent bien chez nous, j'ai l'impression. Il récolte Nutri, il mange Nutri. Il faut la garder en vie à tout prix. Bon, merci d'avoir été avec moi. On se voit. Alors, pas demain. Demain, je vais à Paris. Mercredi, je fais une conférence à Lille. Et ensuite, je rencontre des gens qui sont dans les. Comment ça s'appelle? J'allais dire des diplomates, non, des politiques. Mais jeudi, je rentre, je serai un peu fatigué. Peut-être vendredi. Mais probablement ce week-end, probablement dimanche prochain. Non, pas forcément des investisseurs. Mais c'est bien, il y a une histoire d'amour qui se met en place. Là, on est encore en été. On a combien? On a 780 de riz, mais ça va pourrir tôt ou tard. Voilà, la nourriture, là. Tiens, on a un étalon qui est mort et on a sa viande qui vient de pourrir. Mais on est encore en mode chasseur-cueilleur, tu vois. Bref. En fait, à deux, c'est trop dur. Il faut qu'on en fasse 4 ou 5, ça irait déjà beaucoup mieux. Mais bon. En fait, si on était plus, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des murs en marbre. On aurait stonecut à mort. On aurait fait des murs en marbre. Il serait devenu bon en construction. J'aurais juste fait un gars. On aurait fait un frigo. Et là, on aurait tenu longtemps. Et après, on aurait vraiment tout mis en place. Là, les débuts sont quand même difficiles. Mais à un moment, je pense que. Je crois au fait qu'on va turn the tide. Et aussi, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est quand j'avais un gars qui était attaqué par des insectes, je l'ai pas sauvé. Et là, j'ai tenté le tout pour le tout en mode ça va jamais marcher, ça a marché. Donc je pense que je ferai ça les prochaines fois. Et du coup, je vais pas perdre des gens bêtement, quoi. Voilà. Le Teal Tuto numéro 1 en VOD, il est demain. Enfin, il sera demain sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, je sais pas comment ils disent. Donc voilà. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve ça amusant, ça me permet de vous parler. Ouais, mais là, j'ai quand même un cheptel plus un peu de riz, tu vois. Donc, même Ryujin se paye le luxe de. D'ailleurs, Ryujin, là, je préférais qu'elle coupe du bois, si tu veux, si ça vous dérange pas. Voilà. Dracoulou, mais merci, mais malheureusement j'arrête mon stream à l'instant. Mais je prends ton sub là, je viens de le noter, et je te mettrai en nom de chien une prochaine fois. Bon allez, il faut que j'arrête, donc je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis à une prochaine fois, à bientôt.